Alors on me dit qu'il y a eu un gouvernement entre l'heure du midi et que le ministre nous rejoint. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez qu'on oui, pourrait... Madame la chef de groupe. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager de commencer le rapport en l'absence du ministre ? Bien, chers collègues, je propose d'ouvrir, de réouvrir notre séance de ce jour. Et l'ordre du jour appelle la discussion générale conjointe PRB-ARCC. Le ministre est sur la route et sur l'intelligente proposition et suggestion de ma collègue Bertrand, je propose que notre rapporteuse, Madame Bertrand, puisse déjà faire son rapport. Et on attend le ministre qui est sur la route et qui nous rejoint
de manière imminente. Vous avez la parole, Madame Bertrand, pour votre rapport. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre sens de l'efficacité et du pragmatisme. Voilà, les commissaires se sont penchés pendant plusieurs jours sur les textes budgétaires, le projet d'ordonnance contenant le budget des voies et moyens de la région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021, le projet d'ordonnance contenant le budget général des dépenses de la région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021, le projet de règlement contenant le budget des voies et moyens de l'agglomération de Bruxelles pour l'année budgétaire 2021, le projet de règlement contenant le budget général des dépenses de l'agglomération de Bruxelles pour l'année budgétaire 2021. La présentation de ces textes a débuté par l'exposé introductif conjoint du ministre Sven Gatz. Le ministre a introduit en annonçant que dans la confection du budget 2021, le gouvernement va plus loin que le traitement du Covid-19 et fait, je le cite, « prudemment un premier pas vers une nouvelle marche politique qui se poursuit dans une perspective pluriannuelle ». Il a rappelé d'une part que l'objectif est de parvenir à un budget en équilibre d'ici la fin de cette législature, à l'exception des investissements stratégiques et sans charge fiscale supplémentaire pour les ménages bruxellois, et d'autre part que la confection du budget 2021 ne peut être considérée indépendamment de l'estimation pluriannuelle. Le ministre a présenté ensuite des slides détaillant les recettes des SPRB 2021, les dépenses Covid-19 du budget 2021, l'impact sur le solde financement sec avant opération budgétaire et après celle-ci, et est passé ensuite à l'estimation pluriannuelle. Il expose enfin la lettre d'orientation finance. Et puis les délégués de la Cour des comptes sont venus présenter leur rapport écrit sur le budget initial 2021. Après avoir abordé en détail la norme et trajectoire budgétaire, les soldes budgétaires et de financement, les recettes, les dépenses, les organismes administratifs autonomes, les délégués de la Cour des comptes ont répondu aux nombreuses questions des commissaires. J'en réfère à ce sujet à mon rapport au sujet de l'ajusté 2021 et au rapport écrit. J'en ferai de même en ce qui concerne l'exposé, l'excellent exposé de l'Agence de la dette et l'échange de vues qui s'en est suivi. Bonjour, Monsieur le Ministre. Les commissaires passent ensuite à l'examen des missions, en commençant par la mission 29, programme 2 et 5, promotion de l'image de la région de Bruxelles-Capitale. Le ministre-président Rudy Vervoort a dit que l'année 2019 avait été celle de tous les records pour le secteur événementiel. Et alors que 2020 s'annonçait sous les meilleurs auspices, la crise sanitaire est venue stopper net l'ambition de progression. Bruxelles mettra du temps à se relever. Le gouvernement bruxellois a rapidement réagi afin de venir en aide à l'ensemble des acteurs à travers différentes aides et en maintenant l'enveloppe des subventions. Le ministre-président a rappelé que la partie image de Bruxelles de la mission 29 représente 3 976 000 euros et a souligné que la région ambitionne de postuler en tant que capitale européenne de la culture en 2030. Le ministre Gatz a ensuite détaillé les crédits et les allocations de base contenues dans les différents programmes, abordant ensuite divers projets concrets tels que le Belgian Beer World, l'exposition universelle de Dubaï qui est reportée, le plan de promotion du multilinguisme, les subsides versés aux clubs sportifs au titre de promotion de Bruxelles ou encore le contrat de gestion à conclure avec Flagey. Un échange de vues s'en est suivi. Le MR a insisté sur l'importance de la promotion de l'image de Bruxelles comme capitale de l'Europe et sur l'efficacité des campagnes de marketing numérique, tout en interrogeant le ministre-président sur le retour de la campagne « No Brussels without us ». De NVA fractie west op het aanslepend probleem met de internetwebsite voor de promotie van het imago van Brussel en de complexiteit rond de vraag bij wie men een subsidie moet aanvragen. Ze stelt ook vragen over de oorsprong van de middelen voor het Belgian Beer Experience Center, over Flagey en het multilinguisme. De groene fractie stelt vragen over verschuivingen tussen verschillende basisallocatie betreffende sport en over de correctheid van de budgettaire tabellen in zaken Flagey en Brussel culturele hoofdstad 2030. De groene fractie eindigt met vraagstellingen rond de afwezigheid van middelen aan het gesubsidieerd onderwijs om het imago van Brussel te promoten. Le groupe écolo, quant à lui, s'interroge sur des augmentations de moyens conséquentes pour subventionner des ASBL en vue de la promotion de l'image de Bruxelles et ouvre la réflexion sur un tourisme qualitatif et la nécessité de revoir nos habitudes de tourisme. Est-il ainsi souhaitable de récupérer les marchés perdus en matière de tourisme professionnel, surtout si ce sont des marchés éloignés en termes de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique, demande le commissaire. Le ministre-président répond aux questions, renvoyant le cas échéant à des débats ayant déjà eu lieu en commission. Le ministre Gatz complète à son tour les propos sur les sujets relevant de sa compétence. S'ensuit la discussion des différentes allocations budgétaires. Les commissaires se sont ensuite penchés sur les missions financières, les missions 1, 2, 6, 30 et 31, avec un accent plus particulier sur les missions 30 et 31. Le ministre Sven Gatz se réfère aux explications qu'il a données au début de la discussion générale conjointe.
Les commissaires interrogent le ministre sur différents points, parmi lesquels l'augmentation de 216,911 millions en dotation à la COCOM pour l'année 2020, qui ne semble pas se retrouver pour le même montant dans le budget de la COCOM, qui ne reprend un montant que de 143,318 millions d'euros en dépenses pour l'ajustement 2020. La répartition du budget de 46,5 millions d'euros en faveur du secteur hospitalier public et du secteur non marchand entre la COCOM, la COCOF et la VGC. De bedragen die bestemd zijn voor de salarissen van de medewerkers van de voormalige regeringsleden. Het bedrag van 41,2 miljoen euro ingeschreven als voorlopig krediet voor personeelsuitgaven. De stijgende middelen van opdracht 30, waarvan lijkt dat de VGC daar minder voordeel bij zou hebben dan de FGC. De 93 miljoen euro aan uitgaven voorzien voor Smartmove. De wetten van de ministers en staatssecretarissen waar er een daling van 60.000 euro opgemerkt wordt. Spending reviews, gender budgeting, la forte diminution des transferts en provenance de l'agglomération, divers abaisse du budget des voies et moyens, le remboursement des rémunérations des membres du personnel du cabinet détaché par le secteur public, le doublement des charges de fonctionnement des anciens cabinets, le ratio charge des intérêts de la dette sur les dépenses, les crédits provisionnels destinés à couvrir les dépenses liées aux frais de personnel, les transferts vers les commissions communautaires, les traitements et indemnités des membres de cabinet. Les questions les plus reprises ont trait donc à Smartmove et aux indemnités de cabinet. Le ministre Gatz répond à l'ensemble des questions. Sur Smartmove, il précise que tant que le gouvernement n'aura pas pris de décision, il n'y aura pas de réponse complémentaire. Les 93 millions d'euros prévus sont destinés à l'achat de caméras, à la mise en place de tout un back-office ICT et pour l'engagement de personnel. Concernant les crédits de fonctionnement au cabinet et les salaires des ministres, le ministre s'engage à fournir une réponse par écrit. Celle-ci est reprise en annexe aux travaux. Viennent ensuite les missions 4, gestion des ressources humaines et matérielles du SPRB, ainsi que la simplification administrative au niveau régional, la mission 32, Bruxelles, fonction publique, la mission 28, statistiques, analyse et planification. Le ministre Gatz fait un long exposé sur le service public régional de Bruxelles. Il indique que le SPRB travaille sur un processus de modernisation et de changement sans précédent. Il évoque trois changements majeurs que sont la nomination et le recrutement de plusieurs membres du personnel de direction, le déménagement d'environ 2000 fonctionnaires vers l'Iris Tower et enfin les changements d'habitude de travail amenés par le coronavirus. Le ministre souligne les ambitions du SPRB d'être une organisation durable et évoque la dimension genre. Il aborde alors la mission 32 sur la fonction publique, où le ministre détaille les aspects et les changements les plus importants pour 2021 par rapport aux années précédentes. Il précise que le gouvernement souhaite développer une fonction publique régionale forte, basée sur l'excellence, la modernisation et l'innovation. Le ministre termine avec la mission 28, où il présente les crédits budgétaires alloués au financement du développement des statistiques et des analyses réalisées par l'Institut bruxellois de statistiques et d'analyses. La crise du Covid a montré l'importance de bénéficier de statistiques de qualité. L'ensemble des groupes interroge longuement le ministre sur ses différentes missions. Le rapporteur épingle les interventions suivantes. Le groupe MR interroge le ministre sur la politique menée par son administration pour promouvoir la fonction publique auprès des Bruxellois et recruter davantage sur le territoire régional. La NVA s'attarde sur les audits et le suivi qui en est fait par Talent Brussels, sur la formation du personnel, notamment en langue, et sur l'évaluation de celui-ci. Le groupe PS souligne l'ambitieuse restructuration et rationalisation du SPRB et l'adoption d'une nouvelle stratégie pour la fonction publique régionale. Il évoque l'importance du thème de la diversité pour le groupe PS et la dimension genrée et termine avec des questions sur l'impact du Covid sur le bien-être des agents. Le groupe PTB pose des questions sur les montants et allocations budgétaires relatives au déménagement en s'étonnant du maintien de certains postes budgétaires qui, selon eux, ne sont pas justifiés. Outre l'aspect égalité des chances, le groupe écolo rappelle son intérêt pour la poursuite des objectifs climatiques qui devront être opérationnalisés durant la législature, notamment via le Zero Waste Plan à la Silver Tower ou encore le remplacement du parc automobile. Il interroge aussi le ministre sur l'impact de la crise Covid sur le personnel. Enfin, le groupe CDH s'interroge à la mission 28 sur l'augmentation de 3 millions d'euros à Perspective Brussels pour les statistiques. Il est positif d'augmenter le budget destiné aux statistiques, mais il sera intéressant de rendre celle-ci plus accessible au public, dit le commissaire. Le ministre, accompagné de Mme Isabelle Meulemans, directrice générale de Talent Brussels, répond à l'ensemble des questions. Les commissaires abordent ensuite, en présence du ministre Marron, la mission 23, programme 4, relative à la participation citoyenne. Le ministre Marron rappelle que la compétence de démocratie participative est une compétence nouvelle au niveau de notre région et fait état de ce qui a été initié en la matière au cours de l'année 2020. Il dit que le renforcement efficace de la démocratie participative au niveau régional nécessite l'existence d'une compétence avec un budget et une administration.
C'est un total de 1,4 million d'euros qui sera dédié au développement de la compétence de démocratie participative dans la région de Bruxelles-Capitale, articulé autour d'un service de participation, d'une part, et de la diffusion de processus participatifs, en particulier au travers du débat public continu et multiformat sur le Bruxelles bas carbone à l'horizon 2050, d'autre part. S'ensuit une discussion. Le groupe NVA demande comment ces initiatives de participation seront articulées avec ce que le Parlement souhaite faire et interroge le ministre sur la façon dont les problématiques seront choisies. Le PS attire l'attention sur le fait que ce sont toujours les mêmes personnes qui prennent la parole, qu'il faut se méfier des lobbies qui interviennent dans ces mécanismes de participation citoyenne et qu'il faut donner un poids suffisant aux groupes fragilisés et éviter les phénomènes NIMBY. Il interroge le ministre sur l'organisation de l'équipe et le ciblage d'adolescents de 14 à 17 ans et sur l'articulation des participations citoyennes avec les décisions prises par le gouvernement en matière de bas carbone. Le groupe écolo entame avec une discussion plus philosophique en relevant quatre ambivalences de la démocratie participative. Elle vise à pallier certaines vulnérabilités avérées de la démocratie représentative. Deuxièmement, elle doit concilier la promotion d'une délibération de qualité et la participation du plus grand nombre. Troisièmement, elle se présente comme une autre manière de poursuivre l'intérêt général. Et enfin, elle peut servir à promouvoir la démocratie au sens strict, ainsi qu'une conception très radicale de la démocratie. Le commissaire dit qu'il est essentiel de constater ces ambivalences, d'examiner dans quel cas elles peuvent être fécondes et dans quel cas il est nécessaire de trancher ces ambivalences. Les choix qui sont effectués doivent être exposés clairement. Le commissaire applaudit les projets identifiables évoqués par le ministre et pose encore une série de questions plus concrètes. Enfin, s'exprimant aussi au nom de Groen, le commissaire indique que le plan de participation mentionne le soutien d'initiatives parlementaires et demande comment et sous quelle forme le ministre imagine ce soutien. Agora estime que la démocratie participative constitue l'avenir de la démocratie. Il constate cependant que le budget représente seulement 0,0001% du budget général et se demande si c'est suffisant. Il salue certaines initiatives du gouvernement, interroge sur les budgets, félicite le ministre pour la création du service de participation, mais se montre aussi critique. La politique reste quelque peu vague et ponctuelle et elle a peu d'impact. Il revient sur les pouvoirs spéciaux qui éloignent selon lui le citoyen du politique. Pour conclure, l'intervenant se dit critique mais prudemment optimiste. Pour lui, il est urgent d'adopter une approche structurelle et transversale afin de restaurer la confiance des Bruxellois envers le politique. Le ministre Marron reprend la parole, il remercie les députés pour leurs questions et y répond. Il précise en introduction qu'il ne deviendra pas ministre de la participation de tout le monde, de toutes les entités, de toutes les organisations, les ministères et les compétences, mais qu'il viendra en appui à l'ensemble des processus participatifs lancés. Les commissaires terminent enfin avec les deux missions relevant de la compétence du ministre Smet, la mission 13 pour le commerce extérieur et la mission 29 pour les relations extérieures, les armes et la coopération au développement. Pour la mission 13, le ministre explique que sur la base des chiffres actuels, nous assistons à un net recul des octrois de subventions en 2020 en raison de la crise Covid-19, mais nous partons du principe que nous pourrons utiliser le budget complet en 2021. La dotation à l'Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, Hub Brussels, se voit augmenter d'une subvention supplémentaire d'1,4 million d'euros. Il explique à quoi ces moyens seront dédiés et cite quelques projets concrets. Au sujet de la mission 29, le ministre explique que les dépenses de fonctionnement liées à des actions et projets dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux et les contributions aux bénéfices d'institutions internationales augmentent de 670 000 euros. Sur ce montant, 600 000 euros seront prévus pour la campagne de City Marketing. Le reste sert au soutien des autres projets. Les subventions de fonctionnement à des associations privées pour des actions et projets dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux augmentent de 165 000 euros. Les subventions dans le cadre de la coopération au développement et à l'aide humanitaire augmentent de 165 000 euros. S'ensuit un échange de vues. Le MR souhaite savoir quelles actions concrètes seront mises en œuvre pour soutenir la croissance des exportations des entreprises implantées dans notre région. La commissaire demande également au secrétaire d'État s'il compte mener une politique ciblée afin de financer des modules parrainage et des conseils au commerce extérieur pour les étudiants entrepreneurs. Le MR aborde encore le plan d'action du commissariat à l'Europe et des organisations internationales, le budget alloué au City Marketing et le programme de coordination internationale communale. La NVA se dit satisfaite de l'encouragement et de la promotion du commerce international. C'était important de l'écrire noir sur blanc, selon elle, parce que, dans cette commission, il est parfois affirmé que le commerce international est d'office mauvais, car polluant. L'oratrice souhaite un calendrier de transposition de la législation européenne. Elle se réjouit du renforcement de la représentation permanente, interroge sur le Cyber Security Centrum
et la 5G, et enfin sur les armes administratives. Le groupe PS revient sur les licences d'exportation d'armes et appuie la nécessité de se faire entourer d'experts. Il souligne la volonté de mieux coordonner les différentes politiques communales au niveau de la coopération au développement, mais se demande comment la concrétiser. Par la voix d'un second commissaire, le groupe PS souligne l'importance de l'internationalisation des entreprises qui sera au cœur de ce gouvernement. Suite à la crise, il s'agira de repenser les stratégies des pays visés dans la note d'orientation. L'intervenante demande au secrétaire d'État de préciser par où il compte commencer et souhaite savoir si la crise sanitaire a été de nature à perturber la stratégie triennale. L'intervenante interroge le ministre sur le sujet des actions commerciales et conventions économiques dans des pays où les droits de l'homme sont ostensiblement bafoués, citant à cet égard les gestes forts posés par la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles quand la démocratie est en péril. L'oratrice termine en abordant la question du Brexit et le soutien accordé aux entreprises bruxelloises présentes sur le territoire britannique. Le groupe écolo rappelle qu'il existe de nombreuses manières de soutenir le commerce extérieur autrement que par des accords qui ne respectent pas les critères fixés par la région bruxelloise elle-même. Elle revient sur l'aspect de genre, se demande comment la première implantation de Brussels Houses à Milan a été choisie. La commissaire interroge encore sur la subvention aux ASBL, sur une possible réorganisation des attachés économiques, sur la diminution de l'allocation de base qui concerne Visite Brussels, avant de féliciter le gouvernement pour l'augmentation des budgets octroyés à la coopération au développement. Elle souligne en particulier le projet Soliris. Monsieur Smet répond aux questions en soulignant d'abord à quel point la crise sanitaire a quand même compliqué de nombreuses choses pour le monde et le commerce des entreprises. Les commissaires examinent ensuite les avis des commissions permanentes sur le budget général des dépenses sur la base des rapports oraux ou de renvoi aux rapports écrits des commissions. Ont lieu ensuite la discussion des articles et le vote sur les deux projets d'ordonnance et les deux projets de règlement. Les quatre textes sont adoptés par 9 voix contre 5. En espérant avoir rapporté fidèlement vos propos, chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Bertrand, pour cet excellent rapport. Alors, Monsieur Moussine et Monsieur Levenchen, rapporteurs pour la Commission communautaire commune, s'en réfèrent à leur rapport écrit, je les en remercie. Et je cède alors la parole qui est continuée à notre collègue Madame Alexia Bertrand pour le groupe MR. Elle peut le faire à la tribune puisqu'elle y était. Oui, oui. En fait, Rachid, je commencerai, je passerai la parole à Viviane. Vous avez la parole, Madame Bertrand. Ok. Je pense que vous allez répartir le temps de parole du MR entre vous et Madame Teitelbaum, si j'ai bien compris. On a 20 minutes. Hein. 20 minutes, merci. C'est bien ça. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, analyser convenablement un budget et comprendre ses nuances nécessite pas mal de temps. Pour celui ou celle qui, comme moi, cherche à s'y intéresser, outre les documents budgétaires fournis par le gouvernement, ce sont principalement les rapports de la Cour des comptes, les publications de l'ICN et l'écoute attentive des débats budgétaires qui livrent les clés afin d'appréhender ce qui peut paraître de prime abord comme un petit peu aride, mais qui recèle en réalité des décisions importantes pour le quotidien et l'avenir des Bruxellois. Chers collègues, vous l'aurez compris, ayant pris le temps d'étudier attentivement ces documents, j'ai envie de partager le fruit de mes recherches et analyses, en particulier avec ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu y consacrer autant d'énergie ou qui sont tout simplement moins versés dans les matières budgétaires. Pour les collègues, surtout ceux de la Commission Finances qui ont fait l'exercice comme moi, en particulier M. De Bock, qui a même repéré une coquille dans ma précédente intervention et que je félicite d'avoir pris le temps de relire avec autant d'attention ces PV. Eh bien, pour cela, je vous prie d'ores et déjà d'excuser ce qui pourrait passer pour une forme de redite d'une situation connue. Et c'est pourquoi, pour vous tout spécialement, chers collègues, pour ajouter un peu de sel ou de piment au débat, j'ai inclus quelques métaphores inspirées du registre culinaire, inspirées probablement par notre collègue John Pitsès. Budget et cuisine, ça peut faire bon ménage. Et n'y voyez surtout pas de dimension genrée. Je vais donc tenter de répondre à la question suivante. Que nous a concocté le gouvernement bruxellois au menu 2021? Eh bien, pour entamer l'année 2021, après quelques amuse-gueules, le gouvernement bruxellois ouvre le menu avec une légère mise en bouche appelée « solde budgétaire brut ».
Certains disent que c'est un poisson, mais en réalité, c'est la différence entre l'ensemble des recettes et des dépenses imputées durant l'année budgétaire qui s'élève à moins 1,712,3 millions d'euros, soit une dégradation de 990,3 millions d'euros par rapport au projet de budget ajusté 2020. Cette dégradation provient d'une baisse des recettes, de moins en moins savoureuse malheureusement, couplée à une hausse des dépenses. Pour poursuivre les réjouissances, le chef Gatz a eu le bon goût de nous proposer un trou normand. Vous savez, ce petit verre de calvados servi entre deux plats pour faciliter la digestion et redonner de l'appétit aux convives. Bien nécessaire au vu de l'entrée annoncée au menu sous le nom de solde budgétaire net. Alors c'est quoi ce solde budgétaire net ? Eh bien, c'est toujours la différence entre les recettes et les dépenses, mais en excluant cette fois les opérations relatives à la dette. C'est-à-dire qu'on déduit des recettes les produits d'emprunt et on retire des dépenses les amortissements de la dette. Ce solde budgétaire net, c'est donc un trou de moins 2,212 milliards d'euros, soit une dégradation de 148,2 millions d'euros par rapport au projet de budget ajusté 2020. Il y a de quoi avaler de travers et vous comprenez mieux le choix du calvados. Vient alors le plat de résistance sous le nom de solde de financement. C'est un menu tout poisson cette année. Le solde de financement, c'est le montant qu'on obtient selon l'optique sec après application des corrections budgétaires, les opérations de trésorerie, telles qu'établies par le gouvernement bruxellois. Vous savez, quand on retire les codes 9, on ajoute les codes 8, et ça nous amène à un solde de financement consolidé sec dont on déduit encore toute une série d'ingrédients. La sous-utilisation présumée, les dépenses d'investissement stratégique qu'on neutralise, un montant pour la clause de flexibilité Covid, des sous qu'on espère recevoir de l'Europe pour la relance, etc. On arrive alors à moins 895,3 millions d'euros pour l'année 2021, soit une dégradation de 377,7 millions d'euros par rapport au projet de budget ajusté 2020. En théorie, le solde net à financer correspond à l'accroissement de la dette publique. Je dis bien en théorie, puisqu'ici, on déduit du solde de financement plus de 500 millions d'investissements stratégiques et 150 millions pour les mesures Covid qu'il va bien falloir financer par de l'emprunt, comme le ministre lui-même l'a rappelé. Neutraliser ne veut pas dire qu'il ne faut pas les payer. En dessert, le bouquet final. Une explosion de dette agrémentée d'une fontaine de charges d'intérêt et d'un double soupçon de dégradation. Si la soupe au chicon de la grand-mère de Charlotte est âpre, le dessert du gouvernement est particulièrement indigeste. Chers collègues, vous l'avez compris, l'addition est salée pour un menu somme toute peu appétissant. Plus sérieusement, que faut-il penser de ce budget ? D'abord, que le budget 2021 présente un déficit. Eh bien non, ce n'est pas anodin. L'an dernier, pour l'initial 2020, comme d'ailleurs depuis 2014, on nous présentait au moins en apparence un budget à l'équilibre, même s'il ne l'est déjà plus à l'ajusté 2020, puisque vous nous annoncez maintenant un déficit de plus d'un demi-milliard d'euros. Ce sera plus, et on en reparlera en temps voulu, puisque l'ajusté ne tient pas compte du deuxième confinement. La faute au Covid, me direz-vous. Eh bien, puisque la mode est au pluriannuel, monsieur le ministre, permettez-moi de faire un petit retour en arrière et de vous rappeler les déficits de solde de financement de toutes les années sans Covid. 2015, moins 324,6 millions d'euros. 2016, moins 152,1 millions d'euros. 2017, moins 189,5 millions d'euros. 2018, moins 392,4 millions d'euros. 2019, moins 617,9 millions d'euros. Où était le Covid pendant toutes ces années-là ? Tellement absent que personne n'en connaissait encore le nom. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à chaque fois le même scénario. Un budget initial avec un solde de financement présenté à l'équilibre, annoncé en grande pompe d'ailleurs par le gouvernement bruxellois, et au final, toujours un déficit constaté par l'ICN au moment du compte et qui augmente en plus sur les cinq dernières années. Et donc, monsieur le ministre, ma question est la suivante. Si quand vous nous présentez des budgets soi-disant à l'équilibre, on arrive à des déficits aussi importants au moment du compte, mais à quoi faut-il s'attendre quand vous nous annoncez d'entrée de jeu un déficit de 900 millions d'euros ? Qui nous dit que ce montant n'est pas lui aussi sous-estimé et qu'on ne va pas se retrouver une fois de plus loin du compte ? C'est le cas de le dire. La question n'a rien de théorique puisque la Cour des comptes elle-même indique que ce budget repose à concurrence de 1,1 milliard d'euros sur des dépenses critiquables ou incertaines, soit pour 20% du budget des recettes. J'en viens du coup à ma deuxième remarque.
D'où viennent ces déficits? Eh bien, ils proviennent d'un écart de plus en plus important entre les recettes et les dépenses, entre ce que la région gagne, d'une part, et ce que la région débourse, d'autre part. Au cours de la période 2016-2019, le ratio recettes nettes, ce que la région gagne, sur dépenses nettes, ce qu'elle dépense, est passé de 96,4%, donc les recettes couvraient presque les dépenses, en 2016, à seulement 79,4% en 2019. Rapporté aux recettes nettes, le déficit s'élève à 26% en 2019, contre 3,8% seulement en 2016. L'exercice 2019 mérite qu'on s'y arrête car il marque véritablement un tournant. En 2019, le taux d'utilisation des crédits de dépenses était plus élevé que le taux moyen des trois années précédentes, 95,3% au lieu de 92,4%, tandis que le taux moyen de réalisation des recettes reculait de 98,8% à 93,6%, soit le plus faible depuis 2016. Et cela, l'année où vous nous parliez d'une progression relativement dynamique de l'activité économique bruxelloise. Imaginez alors ce que ça donne en année d'activité économique modérée, comme vous l'annoncez pour les années 2020 à 2024. De 2016 à 2019, les recettes totales hors emprunt sont passées de 4,131 milliards à 4,061 milliards d'euros. Elles baissent. Mais ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est que pendant cette même période, les dépenses, en termes de crédit de liquidation, sont, elles, passées de 4,287 milliards à 5,115 milliards. Des recettes qui baissent face à des dépenses qui explosent. Il ne faut pas avoir étudié la physique quantique pour comprendre qu'il y a un fameux problème. Et c'est là que j'en viens à ma troisième et dernière réflexion générale. Pourquoi ces déficits sont-ils problématiques ? Parce que, comme le rappelle la Cour des comptes, il y a une corrélation directe entre les déficits budgétaires accumulés et l'augmentation de la dette directe de la région. Quasi à l'euro près, nous dit la Cour des comptes dans son 25e cahier. Dès lors, étant donné que le solde budgétaire net accuse déjà un déficit de 2,1 milliards d'euros pour 2021 et que la Cour pense que l'accroissement attendu de la dette en 2020 est sous-estimé, ça implique nécessairement une augmentation colossale de la dette pour les années à venir. Malheureusement, à cet égard, on manque encore de transparence, puisque, comme le relève la Cour des comptes, la nouvelle projection pluriannuelle 2020-2024 ne présente aucune estimation des montants de la dette directe attendue au 31 décembre de chaque exercice. Estimation que l'Agence de la dette, malgré ses excellentes explications, n'a pas fournie non plus. Et pour faire le lien avec la baisse des recettes, la Cour des comptes souligne dans son 25e cahier que la croissance insuffisante des recettes de l'entité régionale nécessite depuis 2017 un recours grandissant à l'emprunt pour financer la hausse des dépenses. Chers collègues, la boucle est bouclée. Vous voyez désormais la corrélation entre déficit récurrent, baisse des recettes, hausse des dépenses et accroissement de la dette. Quelles conclusions faut-il alors en tirer ? Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, cette crise nous rappelle avant tout l'importance du sérieux budgétaire en temps de paix, car c'est lui qui nous permet de faire les dépenses nécessaires en temps de crise. Le sérieux budgétaire, c'est le gage absolu de notre indépendance et, in fine, de notre liberté. La région bruxelloise est dans une situation budgétaire particulièrement difficile en raison de l'important déficit accumulé ces dernières années. Ses marges sont donc réduites, c'est un fait. La triple crise sanitaire, économique et sociale du Covid-19 a ébranlé le monde entier et a nécessité l'intervention nécessaire et légitime des pouvoirs publics. C'est également un fait que personne ne nie. Force est toutefois de constater que cette crise a également révélé les défaillances de notre région à apporter une réponse suffisante et efficace au vu de sa fragilité. La baisse structurelle des recettes qui ne couvre plus depuis trop longtemps déjà des dépenses qui ne cessent d'augmenter aurait dû constituer un signal d'alerte et pousser à une remise en question. Il n'y a que deux solutions. Créer de la richesse et faire augmenter les recettes, sans augmenter les impôts, comme vous l'avez promis, ou limiter les dépenses en cherchant partout à augmenter l'efficacité. Que fait votre gouvernement ? Il interrompt la procédure de zero-based budgeting censée induire des économies. Il renie sa promesse de ne pas augmenter les impôts et prévoit à terme d'augmenter ses recettes avec une nouvelle taxe kilométrique qui touchera celles et ceux qui travaillent, qu'ils habitent ou non notre région, et ce, sans aucune concertation. Au MR, nous refuserons toute charge fiscale supplémentaire qui viendrait plomber le budget des ménages des classes moyennes et populaires en pleine crise économique.
Examinons maintenant quelques-unes des missions principales de ce budget 2021. En matière de mobilité, au 1er janvier 2021, soit dans moins de 2 semaines, Bruxelles deviendra une zone 30 généralisée. Certaines communes inquiètes critiquent déjà. Une fois de plus, la région fait avant tout de la communication. Limiter la vitesse dans les quartiers résidentiels, nous sommes pour. Il faut rappeler que c'est déjà aujourd'hui le cas presque partout. Mais nous aurions fait les choses avec méthode et progressivement, en prévoyant des aménagements nécessaires dans les quartiers pour s'assurer du respect des vitesses. En effet, vous nous annoncez, Madame la Ministre, vouloir par cette voie diminuer les accidents. Mais quel est le bilan de votre action en la matière? Beaucoup de zones connues pour être accidentogènes attendent toujours leur réaménagement. En matière de sensibilisation, votre campagne d'information du public arrive tardivement, alors que la moitié des usagers ignorent encore l'entrée en vigueur de la zone 30. En termes de choix de mobilité et d'offres pour les transports en commun, la région stagne. Comme le résument si bien mes collègues David Deister et David Weitzman, en 10 ans, le réseau de tram a gagné à peine 13 km, celui des bus a perdu 1 km et la couverture du métro est restée identique. La vitesse commerciale des trams et des bus a même diminué, malgré un certain nombre de sites propres. Un comble au regard des moyens investis et surtout des besoins. Il n'y a dans ce budget pas d'engagement assez fort pour le métro, même sur la ligne 3, vu le retard déjà annoncé par le gouvernement, et aucune perspective concrète d'extension du métro vers le sud. Et que propose le gouvernement bruxellois ? Une nouvelle taxe qui va coûter cher aux ménages qui travaillent, qu'ils soient wallons, flamands ou bruxellois. En matière de logement, il ne se dégage aucun changement de politique. 2021 sera dans la continuité de 2020. Votre gouvernement ne prend pas la mesure de la détresse des personnes dans le besoin, dont le nombre ne cesse de croître. Contre toute attente et à contre-courant des résultats, Madame la Secrétaire d'État, vous décrétez, sans le qualifier comme tel, un moratoire sur la création de nouveaux logements AIS. L'expansion est trop forte. Il n'y a plus assez d'argent. Vous devez prendre le temps d'étudier la situation avec un audit. Et pendant ce temps, 49 000 ménages sont en attente d'un logement social. Vos objectifs en matière de construction de nouveaux logements sont inatteignables de votre propre aveu et de celui de la SLRB. Le MR plaide au contraire pour une politique de logement plus abordable et disponible plus rapidement via un développement soutenu des AIS qui peuvent aussi jouer un rôle important dans la rénovation du bâti vieillissant si les incitants pour les propriétaires sont renforcés. En matière d'emploi et de formation, le gouvernement a tardé à agir, pour preuve la sous-utilisation budgétaire importante pour ses compétences en 2020. À côté de ça, votre gouvernement s'est concentré sur les mesures d'urgence plutôt que d'investir pour l'avenir dans la formation, qui reste le parent pauvre de votre budget ou dans la création de nouveaux emplois. 30 millions d'euros pour la prime Phoenix, une prime d'activation qui n'a de neuf que son nom. Mais qu'adviendra-t-il de ces jeunes dans un an lorsque cette prime à l'embauche aura perdu ses effets ? Vous remplacez une partie des emplois privés perdus par des emplois publics. 300 000 euros pour réorienter des entrepreneurs faillis vers des articles 60. Au lieu de les relancer, vous préférez les emmener dans le giron public. Savez-vous que le taux d'emploi public à Bruxelles est de 42% pour 32,4% en Wallonie et seulement 21% en Flandre ? En ce qui concerne la politique de propreté et l'ABP, un déficit gigantesque, une ville de plus en plus sale malgré tous les efforts du personnel. Les dépenses structurelles ne sont même pas assurées par des recettes suffisantes. Montrez-nous, Monsieur le Ministre, que vos principes en matière de bonne gouvernance n'ont pas été rangés au placard lorsque vous êtes monté dans la majorité. Les Bruxellois méritent une ville propre et les travailleurs de l'ABP un cadre de travail serein. Face à l'urgence climatique, enfin, un montant supplémentaire en crédit d'engagement de 42 millions d'euros est dégagé pour le climat. À cela s'ajoutent 12 millions d'euros supplémentaires dédiés aux primes énergie. Certes, un effort est fait, mais quelle est la grande vision ? Pourquoi ne pas échanger avec votre collègue wallon Philippe Henry qui a développé un vaste plan d'isolation du bâti par quartier, qui fait appel à l'épargne privée et à un fonds public pour la rénovation du bâti ? Il part du constat que le système des primes ne convainc plus et qu'il faut changer d'échelle. 1 euro public doit mobiliser 10 euros privés. C'est cela le fameux effet multiplicateur ou politique à effet de levier qu'on ne cesse d'appeler de nos voeux. Or, concrètement, le gouvernement bruxellois en est toujours au stade étude et ne dispose pas d'une véritable stratégie alors qu'il y a urgence. Chers collègues, une fois de plus, Bruxelles attend. Merci, Madame Bertrand. Je cède la parole à Madame Viviane Teitelbaum. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues. J'interviendrai brièvement, mais compléterai les excellents propos de ma chef de groupe au niveau de la COCOM, c'est-à-dire aux politiques relatives à l'aide aux personnes et à la santé. Car c'est ici que nous pouvons venir en aide à ceux et celles qui, depuis trop longtemps, ont froid,
à ceux et celles qui ont faim, qui sont malades, souffrants, à ces familles monoparentales, ces sans-abri, mais aussi ces indépendants, ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces enfants qui risquent ou ont basculé presque du jour au lendemain dans la précarité où ils sont depuis trop longtemps. Nous le savons et nous l'avons toutes et tous dit à de nombreuses reprises. Au-delà de son impact économique d'une ampleur sans précédent, la pandémie et les mesures sanitaires de confinement qui l'accompagnent ont exposé la population à des conditions de vie difficiles et ont exacerbé les inégalités sociales préexistantes. C'est l'effet de loupe qui a montré de manière plus nette encore ce que d'aucuns et d'aucunes ne voulaient voir, le visage de la pauvreté à Bruxelles. Nous avons rappelé les chiffres en commission et d'année en année d'ailleurs, sans que beaucoup ne change. Je ne le referai pas ici. Toutefois, je rappellerai les projections présentées par le SPP Intégration sociale qui révèlent qu'en janvier 2022, dans un an donc, environ 30 000 personnes supplémentaires auront bénéficié d'un revenu d'intégration sociale. Une explosion des statistiques, estimée dès à présent et tristement inédite. S'il vaut mieux prévenir que guérir, gouverner, c'est prévoir. C'est agir pour l'avenir et pour venir en aide à ces personnes qui étaient dans la précarité, à celles qui sont sur le fil, à celles et ceux qui ont basculé suite aux événements récents. Il faut des moyens. Vous en avez augmenté, certains, comme pour les CPAS ou les centres de médiation de dette, mais cela ne sera pas suffisant, nous le savons déjà. Le SPP Intégration sociale l'a fait savoir. Monsieur le ministre, il en va de même pour la prévention. Je ne vais pas développer ici parce que je n'aurai pas le temps, mais je peux vous dire que nous craignons en effet que ce ne sera pas suffisant non plus. On l'a développé en commission. On le sait, pourtant, il est plus facile d'empêcher que quelqu'un de devenir sans-abri que de le sortir de la rue. Vos explications en commission ne nous ont pas rassurés en ce sens. Je parle bien sûr du ministre Marron parce que je ne vois pas s'il est là ou pas de là où nous sommes. Si nous avons pu nous réjouir d'obtenir les budgets pluriannuels et la note genrée, nous regrettons néanmoins que l'ensemble des documents n'aient pu être présentés de manière complète. Les documents tels que la note d'orientation politique du collège, ainsi que, comme l'a rappelé la Cour des comptes, les documents liés à l'impact socio-économique qui sont manquants pour cet exercice. Pour ce qui est du budget santé, le bilan est tout aussi mitigé. Si nous saluons les augmentations substantielles de près de 30 millions d'euros par rapport à l'initiale 2020, par rapport à l'initiale 2019, ce budget ne reflète pas non plus les ambitions de ce gouvernement, non, par rapport à l'initiale 2020, pardon, de ce gouvernement tel que présenté lors de sa DPR, par exemple concernant l'impact des déterminants de la santé. Et alors que nous sommes toutes et tous d'accord sur la nécessité d'améliorer les politiques de prévention en matière de santé en région bruxelloise, les projections du budget pluriannuel restent inchangées entre 2021 et 2024. Or, comme l'a dit mon collègue David Leister en commission, nous estimons que ça devra être corrigé eu égard aux nombreux défis qui attendent la région bruxelloise en matière de santé physique et mentale. Concernant la santé mentale, précisément, si à l'initiale 2021, nous notons une augmentation, nous restons inquiets et inquiètes et aurions souhaité voir ces budgets évoluer positivement, comme lors de l'ajustement 2020, voire davantage. En effet, au vu de l'impact considérable qu'a et qu'aura cette crise sur la santé mentale, de nombreux Bruxelloises et Bruxellois, les augmentations ainsi mentionnées pour 2021 nous semblent également insuffisantes. Votre budget ne prend en compte que l'infime partie de l'iceberg visible actuellement, mais ne tient pas compte des besoins qui, nous le savons, exploseront dans les mois à venir. Enfin, comme l'a également expliqué mon collègue David Leister, nous sommes favorables au report maximal de l'entrée des personnes âgées en maison de repos et saluons par conséquent le relèvement annoncé à hauteur de 5% du contingent d'heures pour les services d'aide à domicile. Par contre, et c'est plutôt inquiétant, nous ne trouvons aucune trace de ce relèvement dans le budget 2021. Je ferai un dernier point rapide, monsieur le Président. Rapidement. Concernant, hein. Parce que je ne vois pas l'heure, donc voilà, je ne sais pas où je suis. Simplement, vous avez 40 secondes de dépassement, donc... Je termine alors. Juste concernant l'aide aux sans-abri et en tant qu'opposition constructive, nous pensons qu'il y a là un pas dans la bonne direction. En effet, même si à la lecture du budget, il apparaît que l'aide d'urgence soit toujours surfinancée par rapport à l'aide structurelle, le mode de prise en charge des personnes sans-abri est en train de changer au sein même des centres qui sont encouragés à travailler dans une continuité entre aide d'urgence et aide structurelle et non plus en opposition. Sur ce point particulier, nous saluons l'évolution en espérant que le ministre Marron poursuivra sur cette voie en amplifiant bien entendu les efforts les années à venir. Alors malgré cette note positive et certaines augmentations prévues, le budget 2021 tel que présenté ne nous paraît pas en adéquation avec les réalités. Allez, il faut terminer. Maintenant, madame. Je termine ma phrase. Les Bruxelloises et les Bruxellois doivent faire face. Nous ne voterons pas en faveur de ce budget. Merci. Merci, madame Tettelbaum.
Frau Siltje van Echter voor de N-VA-fractie. Geachte voorzitter, minister-president, ministers, collega's. Een regering is in heel wat opzichten te vergelijken met een gezin. Niet met een menu, met een gezin. Dan wel met een gezin met een hoop centen, maar het is te zeggen in het geval van Brussel vooral een hoop schulden. Een gezin wordt, net als een regering, al eens geconfronteerd met een crisis. Ziekte, plots inkomstenverlies. Het is vooral in tijden van crisis dat we dan kijken naar het gezinshoofd en het is vooral in tijden van crisis dat wij kijken naar de regering en vragen om perspectief en stabiliteit. En als ik kijk naar het discours van deze regering, dan moet ik helaas concluderen dat zij er niet in slaagt dat perspectief te bieden. Het ontbreekt aan een plan en ligt aan het einde van de tunnel. En de Brusselse schuld die ontspoort. Eerder dit jaar wees de Universiteit van Namen er al op dat u bij ongewijzigd beleid afstevend op een recordschuld van 11,2 miljard euro tegen 2025. Het Rekenhof heeft ons duidelijk gemaakt dat onze schuld verdrievoudigt. We kennen ondertussen de cijfers. Hoe moet dit worden gefinancierd en hoe gaat die schuld evolueren na 2024? Niemand die het weet. Zorgen voor de volgende regering. Zorgen voor de volgende generaties. Après moi, le déluge is meer dan toepasselijk. En kinderen die een gigantische schuld op hun zien afkomen, die kunnen een nalatenschap weigeren. Maar een Brusselse regering, de volgende regering, kan die nalatenschap natuurlijk niet weigeren. U heeft wel gezocht naar nieuwe inkomsten, nieuwe belastingen. Smart move moet geld in het laadje brengen. En de factuur sturen we naar de buren. Alhoewel, als ik de impactanalyse correct lees, zal 94% van de Brusselaars met een wagen ook meer belastingen betalen via Smartmove. Het wordt dus ook een belastingverhoging voor het merendeel van die Brusselaars. In jullie persconferentie deden jullie nogthans goed uitschijnen dat de files en het autogebruik drastisch zouden verlagen en de luchtkwaliteit fel verbeteren en dat het de Brusselaar niet zou kosten. Maar de cijfers uit de persconferentie komen toch niet overeen met die van de impactanalyse. Je stellen het beter voor dan het lijkt te zijn. En ik vraag mij dan ook af wat de strategie is in dit dossier. Brussel, spierballenrol? Het draagvlak voor een slimme kilometerheffing lijkt nu wel getorpedeerd, terwijl er wel degelijk een logica zit in zo'n kilometerheffing. Files moeten aangepakt worden, overleg is nodig. Maar ik vrees dat de eilandmentaliteit van deze regering ons geen stap verder brengt. En als de Brusselse PS'ers nu ook al onder elkaar beginnen te ruzien en zegt dat ze dit niet zullen stemmen, ja, dan vraag ik mij af wat Smart Move ons gaat opgeleverd hebben. Draagvlak weg? En wat dat de impact van de pendelaarsbelasting zal zijn op onze ondernemers, onze horeca, onze handelaars, onze scholen, onze crèches, onze zorg, daarover hoor ik niets, verneem ik niets. Mocht het nu zo zijn dat de reden voor deze schuldopbouw helemaal te vinden was in corona, dan zou dat mij uiteraard tot mildheid brengen. Maar de realiteit is anders. Ook vorig jaar was al duidelijk dat de schuld van het gewest zou verdubbelen tegen het einde van deze legislatuur. Ook vorig jaar wees het Rekenhof erop dat u ten onrechte een half miljard buiten uw begrotingsdoelstelling liet. En nu is deze regering van plan dit jaar na jaar na jaar te doen. De oorzaak hiervan? Decennia lange verwaarlozing van onze weginfrastructuur om vervolgens de nodige werken hieraan af te doen als strategische investeringen. Nog een oorzaak, het ontbreken van een concrete besparingsoefening. Eind vorig jaar kondigde u aan 220 miljoen euro te besparen om nieuw beleid te kunnen financieren en om de begroting in evenwicht te krijgen. Deze zomer las ik in het nieuwsblad nog dat er voor 2019 100 miljoen zou bespaard worden en de volgende jaren nog eens zoveel. Maar daar is natuurlijk niks van in huis gekomen. Oké, corona, ik kan dat begrijpen. Maar voor de komende jaren, voor 2021, zou er nu 54 miljoen euro bespaard worden. Maar als ik dan concreet vraag, waar zit die besparing? Dan krijg ik maar een heel sumier antwoord. Het is te zeggen, ik heb gewoon een tabelletje gekregen waarin staat, bijvoorbeeld, er wordt 13 miljoen bespaard op vlak van mobiliteit.
Maar wat dat inhoudt, geen antwoord. De budgetten voor mobiliteit stijgen ook, dus waar die zogenaamde besparing zit, Joost mag het weten. Alvast niet op de kabinetten of de medewerkers van ex-ministers waar de regering jaar na jaar een extra miljoen voor vindt. Wat wel deze week is duidelijk geworden, is dat deze legislatuur 96 miljoen euro zal bespaard worden op de grondige heraanleg van het Meizerplein. Dat er niet komt op korte termijn, nog op middellange termijn. En als ik de ecologisten mag horen, dan ijveren die zelf al om geen tunnel meer te voorzien onder de plein. En dus zal Plasmisère nog lang een zwart punt blijven, ondanks de beloftes van de vorige regering. En daar ben ik eigenlijk wel echt ontstemd over. Nog een oorzaak waarom ik niet mild ben, is het ontbreken van een fors relancebeleid die ons gewest er zal bovenop brengen. Die de Brusselaar die een werk zal verliezen weer aan het werk krijgt. En als ik mag verwijzen eens naar de Vlaamse regering. Die hebben een duidelijk plan voor de relance. De Vlaamse regering biedt perspectief, maakt keuzes, heeft ambities en ook doelstellingen. Zo gaan ze 190 miljoen investeren in de arbeidsmarkt, in opleidingen, met het oog op een werkzaamheidsgraad van 80%. En wat zijn onze doelstellingen? Wat is de ambitie hier? Ik zou dat echt wel een keer graag horen, welke ambitie wij hebben qua qua werkzaamheidsgraad. Als we willen meer inkomsten hebben om onze schulden te financieren, moeten we iedereen aan het werk krijgen. En de Vlaamse regering gaat ook een grondige evaluatie doen van haar beleid en de gespendeerde middelen. En dit is iets waar ik hier alleen maar kan over dromen. Kerntaken, focussen op kerntaken, beslissingen nemen. Wanneer gaat de Brusselse regering eens aan zo'n oefening beginnen? Wat het Brusselse energie- en klimaatbeleid betreft, kan ik toegeven dat er daar wel ambitie is. Ja. Maar het probleem is dat die ambitie totaal niet onderbouwd is. De ambitie is min 40% CO2-emissiereductie tegen 2030. Eventueel nog te verhogen, gelet op de Europese discussies. Ik heb al een paar keer aan minister Maron gevraagd of hij mij de berekening van die min 40% doelstelling kan geven. Maar hij heeft die niet. Brussel heeft geen berekening gemaakt van hoeveel reductie de voorgestelde maatregelen gaan opleveren. Geen berekening. De minister is niet in staat om uit te leggen wat de verschillende maatregelen in zijn plan aan reductie gaat opleveren. Ik vind dat gewoon hallucinant. We kloppen ons hier in Brussel op de borst dat wij een enorme reductie voorop stellen, dat we ambitieus zijn, maar we hebben geen idee wat de maatregelen die voorzien zijn gaan opleveren. Het kan dus evengoed min 20% zijn of min 55%. We tasten in het duister. En we weten dat de focus ligt op renovatie van woningen. En daar moeten we onze grootste reductie halen bij de renovatie van woningen. Wel, beste collega's, Europa heeft de Brusselse lange termijn renovatiestrategie gebuist. Dus we moeten ons hier niet op de borst kloppen van kijk eens hoe ambitieus we zijn. De realiteit haalt ons in met een grote buis, jammer genoeg. Maar ondertussen kondigt deze regering wel aan dat we een klimaatwet gaan stemmen. En de doelstelling dus als wet gaan opnemen, zonder dat we weten of we überhaupt in de buurt van die doelstelling gaan geraken. Wie bedriegt hier wie? De Vlaamse en Antwerpse energie- en klimaatplannen bevatten wel zo'n berekeningen en prognoses, dus het is perfect mogelijk om dat te maken. Dus ik roep de regering en administratie op om dringend te starten met het maken van die berekening en ons die over te maken. Toch op zijn minst alvorens dat er hier een wet wordt overgestemd waar we nu mee in het duister zouden zitten. Een goed gezinstoost is ook betrouwbaar. Een goede regering is een baken van betrouwbaarheid. Des te meer wanneer het even minder gaat. Maar daar stelt ook deze Brusselse regering terreur. Dat deze, we zien dat stelselmatig wanneer het reken- of auditsbureaus hun werk doen. Haast iedere audit van een Brusselse administratie brengt onregelmatigheden en mismanagement aan het licht. Net Brussel spant de kroon. De audits zijn vernietigend en toch lijkt het bestuur aan boord te blijven. Dit wekt weinig vertrouwen. In november waren het dan 105 illegaal toegekende bedrijfswagens. Een beetje later bleek dat de directeur-generaal van Actiris een contract van 1 miljoen euro
onregelmatig heeft afgesloten. Samen sociaal en het tunneldebakkel indachtig, denk ik dat het tijd wordt dat deze regering haar huis op orde stelt. Als uw dak lekt, pak je dat grondig aan. De coronacrisis zet natuurlijk alles op scherp. Laten we deze crisis dan ook aangrijpen om er sterker uit te komen. Durf in te zetten op een aanklampend arbeidsmarktbeleid. Stop met het extra financieren van niet werken. Wees eerlijk in verband met de digitale transitie en maak 5G mogelijk door de stralingsnormen aan te passen. Ik lees vandaag dat Proximus 5G uitrolt in Vlaanderen en dat ze de stralingsnormen van Brussel aanklaagt om het niet in Brussel te doen. Pak net Brussel grondig aan. Zie dat commercieel afval via een contract correct wordt opgehaald en ook vooral correct gefactureerd wordt. Zet in op veiligheid, netheid, een efficiënte administratie en doe iets aan de Brusselse verrommeling. Nog deze week bespraken wij in de commissie Mobiliteit het parkeerbeleid en werd het nog maar eens duidelijk dat samenwerking tussen gewest en gemeente meer dan mank loopt. En durf dat dan ook eens grondig aan te pakken. Ook het huisvestingbeleid loopt mank. We kunnen vaststellen dat de budgetten voor huisvesting zijn gestegen. Desondanks is het ondertussen duidelijk dat deze regering de fundamentele huisvestingsproblemen in dit gewest niet zal oplossen. Laat staan de doelstelling om 15.000 woningen voor de bijna 50.000 gezinnen op de wachtlijst aan te bieden. Een essentieel probleem is hier ook de hopeloze versnippering van het beleid en het kluwen aan spelers. Elk met hun eigen patrimonium, eigen procedures, eigen financieringsmechanismen en uiteraard een eigen administratie. En nee, het oude recept van de contractualisering gaat dit niet oplossen. Mijn collega Matthias van den Borre heeft nagegaan dat reeds in 1990 bij de eerste zittingen van dit parlement er sprake was van contractualisering met de gemeenten om het gebrek aan samenwerking op te lossen. Het is veelzeggend om vast te stellen dat men na 30 jaar in feite nog geen stap dichter staat en dezelfde slappe kost moet heropwarmen. En dus, onze vraag is dat deze regering het grondiger aanpakt. Start met een einde te maken aan de verrommeling. Dat zal veel meer efficiëntiewinsten opleveren dan de voorstellen van PS-voorzitter Magnet, die een Brussel zonder de Vlaamse en Franse gemeenschap wil. Brussel is geen eiland, Brussel is een hoofdstad. Laten we omarmen wat goed draait, zoals het Nederlandstalig onderwijs, waar de Vlaamse gemeenschap fors in investeert. Laten we de gemeenschap verantwoordelijk houden voor Brussel. Of gaan we als gewest stevast de rekeningen van een ander bijpassen? Ik denk aan de rekeningen van de Kokof. Laten we focussen op de echte problemen. Ik heb er een aantal opgenoemd. Mochten jullie geen tijd gehad hebben in dit coronajaar om te focussen op de essentie, wil ik dat pardoneren. Maar 2024 is nog een eindje. Deze crisis zet alles op scherp. Heb moed om zonder taboe zaken aan te pakken. Jullie kunnen op ons rekenen dat we jullie verder zullen aanmoedigen. En dan geef ik graag ook nog het woord aan mijn collega Gilles. Meneer Verstraeten, u hebt het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. En ook dank aan mijn collega Sieltje van Achter voor haar uitstekende tussenkomst. Nu, 2020 werd aangevangen met een overgangsbegroting. Een overgangsbegroting omdat de regeerverklaring niet becijferd was, de fundamentele keuzes nog gemaakt moesten worden en dat men eigenlijk vaststelde dat men onvoldoende budget had om alles te doen wat in de gewestelijke regeerverklaring stond. Die fundamentele keuzes zouden gemaakt worden medio 2020. En dan zouden we als dit parlement een begrotingsherziening voorgeschoteld worden, waar duidelijk uit zou blijken wat de fundamentele keuzes van deze regering waren. Daarbij werd in die regeerverklaring, zeker wat de GGC betreft, en daar gaat een belangrijk deel van mijn tussenkomst over, dat er sprake was van sociale urgentie. Ik heb daar toen over gezegd, ja, effectief, er is sociale urgentie in Brussel, die groeit alleen maar. En als we geen belangrijke ommezwaai gaan maken, als we geen structurele keuzes maken, dan zal die sociale urgentie omslaan in sociale catastrofe. Een belangrijk punt van kritiek
Bij mij, bij de eerste begroting 2020, was dat voor het daklozenbeleid, waar een belangrijke ommezwaai was beloofd, dat daar een grote provisie was voor ingeschreven van ongeveer 15 miljoen en dat het niet duidelijk was waar het geld naartoe zou gaan. Het is natuurlijk goed, hè, een provisie, er wordt extra geld voorzien, maar je weet niet waar je landt. Er waren geen vaste keuzes gemaakt. En het kon dus gebeuren dat alles terug naar urgentie zou gaan, naar reageren op nood, naar de noodopvang. Dat alles zou afhangen van het moment zelf. En dat budget naar de waan van de dag gaat ten koste van een structurele logica en structurele oplossingen. Al dus geschieden. We kregen de coronacrisis. Alles wat daar als provisie was voorzien, is in zeer belangrijke mate naar de noodopvang gegaan. De tussentijdse begrotingsbespreking, waar de structurele keuzes duidelijk moesten worden, is niet doorgegaan. En 2020 sloten we af zonder duidelijke hervormingen van deze regering of duidelijke structurele keuzes. Nu krijgen we de begroting 2021. En wat stel ik vast? Door de coronacrisis en het ontbreken van een duidelijke richting van deze regering bij het aanvang van 2020 en doorheen het jaar 2020, is die provisielogica doorgeslagen. Ook op economisch vlak. Het COVID-beleid in de GGC voor het jaar 2021 zuiver een provisie van tientallen miljoenen waarmee we niet weten waar we gaan landen. Het economisch relancebeleid, zuiver provisie waarvan we niet weten waar we gaan landen. Deze regering glijdt af naar een logica van permanente improvisatie. U presenteert ons een begroting 2021 waar de fundamentele keuzes opnieuw uitgesteld worden. U vraagt ons om blind vertrouwen te hebben op basis van provisies waarvan we geen flauw idee hebben waar ze gaan landen. Het resultaat is dat structurele hervormingen uitblijven en zelfs een aantal problemen onvoldoende voorzien worden. Waar is een duidelijke stroomleiding van de OCMW-praktijken om het sociaal beleid effectiever, leesbaarder en toegankelijker te maken voor de gebruikers, het groeiend aantal gebruikers dat we ook zullen zien door de coronacrisis, maar ook voor de andere sociale actoren in het gewest die soms in chaos moeten opereren. Waar is een echte coördinatie van het huisvestingsbeleid is al aangehaald en mijn collega Van den Borre klaagt het ook aan. Niet alleen om die astronomische ambitie van mevrouw Benamou waar te maken of zelfs maar een deel ervan te kunnen waarmaken, maar om ook werkelijk de ommezwaai naar housing first te kunnen maken in het daklozenbeleid, ommezwaai die we nog altijd onvoldoende zien, omdat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn om housing first beleid te voeren. En dus wordt in belangrijke mate al het budget maar weer naar noodopvang doorgestort. Zelfs, en dit is een positieve noot, als er binnen die instanties voor noodopvang meer werk wordt gemaakt van structurele oplossingen. Maar de echte ommezwaai, die blijft uit. Waar is het beleid dat werkelijk structureel de armoede gaat aanpakken die mensen daaruit opheft? Inburgering, integratiebeleid wordt zelfs niet vernoemd in de begroting 2021, behalve voor het uitdelen van boetes. Boetes die niet geïnd zullen kunnen worden in 2021, omdat de verplichting nog niet zal ingaan. Economie dan, waar zijn de duidelijke hervormingen die de werkloosheid moeten terugdringen, die zeker gelet op de omstandigheden van corona, een echte noodzakelijke revolutie in ons arbeidsmarktbeleid gaan inbrengen. Die echt die inzet op opleiding, maar ook de juiste opleidingen, gaan promoveren die mensen naar de jobs die in Brussel bestaan toeleiden. Nee, in plaats daarvan krijgen we het Phoenix-premie, een soort urgentiemaatregel waarbij we een aantal maanden wat geld gaan uitstrooien om Brusselaars aan te werven, maar waar geen enkel structureel effect aan verbonden is. Wederom urgentielogica. Waar zijn de relancemaatregelen die Brussel structureel economisch aantrekkelijker moeten maken voor investeringen die investering aanmoedigt en aantrekt? Niets daarvan. Provisie, provisie, provisie. Je moet vertrouwen in ons hebben. We zullen het geld wel steken waar het nodig is. En cours de route. Maar deze begroting voorziet zelfs geen concrete antwoorden voor voorzienbare problemen. En ik geef een voorbeeld uit de GGC-begroting 2021. Er zijn geen extra middelen voor schuldbemiddeling voorzien. Die diensten zijn nu al bij de OCMW's overbevraagd. En we weten, gelet op de effecten van de coronacrisis, dat die nog zwaarder in de problemen zullen komen, dat er steeds meer mensen zullen moeten aankloppen bij schuldbemiddeling. Maar daar zijn geen extra middelen voorzien. En dus stel ik mij opnieuw de vraag voor 2021, zullen die provisies naar structureel beleid gaan?
Zullen die werkelijk naar relancebeleid gaan? Zullen die werkelijk een andere visie inleiden voor dit gewest en ons een structureel verbeterde toekomst geven? Of zal men gewoon als een soort loodgieter blijven reageren op de problemen wanneer ze zich stellen, zonder visie op lange termijn? Ik heb er dus geen hoop op basis van deze begroting dat het in 2021 beter zal worden. 2021, dat wordt het jaar waarin de provisie en de improvisatie het enig structureel aspect zal worden in deze regering. Deze regering die een gouvernement sans vision, een gouvernement provisoire d'improvisation wordt. Voor de rest van de legislatuur mogelijk. En daarom zullen wij niet voor deze begroting stemmen. Dank u, meneer Verstraeten. Je cède à présent la parole à monsieur Marc-Jean Geysels pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, messieurs les ministres, je sais que nous ne sommes pas à l'heure de la polémique, mais je trouve quand même que le symbole est fort, avoir un parlementaire bruxellois qui, derrière l'écran, a un drapeau flamand beaucoup plus grand que l'iris régional. Je trouve que c'est assez... Là, monsieur Geysels, c'est le drapeau de la communauté flamande bruxelloise. Oui, mais... Dans le VGC, dans le VGC, voilà. D'accord. Mais je trouve que le symbole est quand même particulièrement marquant. Donc, monsieur le ministre, nous terminons cette année civile avec le vote du budget 2021 de la région bruxelloise et de la commission communautaire commune. Je ne reviendrai pas sur l'année écoulée et les défis auxquels le gouvernement a été confronté. Cela a déjà été débattu à maintes reprises. La situation socio-sanitaire reste toujours complexe et malheureusement, nous ne voyons pas encore la fin de cette pandémie. Nous savons toutefois qu'il y aura un avant et un après. Car cette crise, comme toute crise, est un accélérateur de changement. Pour la région bruxelloise, ce sera dès 2021 un changement de paradigme budgétaire par une vision keynésienne d'investissement massif pour relancer et soutenir l'économie. Nous ne découvrons pas les premiers impacts de la crise, mais d'autres se révéleront dans la durée, lorsque les moratoires divers seront levés. Les décisions prises aux différents niveaux de pouvoir ont permis de geler certaines situations, mais nous le savons, nous serons confrontés à un effet boomerang de cette crise socio-sanitaire. Dès lors, monsieur le ministre, nous devrons être ambitieux dans le cadre du budget 2021 et dans le cadre de la relance. Votre budget nous permet de comprendre les objectifs fixés par le gouvernement. Mon groupe constate que la région a décidé d'investir pour les générations futures tout en maintenant en œuvre de grands chantiers de l'accord de majorité. Permettez-moi de reprendre quelques points de ce programme. Le logement, tout d'abord, cette politique publique se voit enfin structurellement augmentée et ce, de manière significative. La crise sanitaire n'a rendu que plus visibles les besoins en matière d'intervention publique sur ce secteur. En 2008, après la crise socio-économique, la question de l'accessibilité d'investisseurs au logement a été un réel enjeu. On a vu l'arrivée massive d'investisseurs de fonds vautours qui ont alimenté la spéculation financière dans le domaine. Le logement n'était plus considéré comme un foyer ou un lieu où les familles grandissent, où l'on se crée des souvenirs. Dans ce modèle, le logement est considéré comme un actif financier, un moyen de placer ses capitaux. C'est d'ailleurs ces dérives que l'on voit se pointer aussi chez nous à Bruxelles, comme dans les grandes capitales de ce monde. C'est dire notre satisfaction que le droit au logement, droit fondamental, soit pris en considération avec cette augmentation de près de 31% des crédits en 2021. C'est ambitieux et nous attendons avec impatience le plan d'urgence pour le logement de la ministre Nawal Benamou. Toutefois, que ce soit à travers l'acquisition, à travers les enveloppes dédiées à la rénovation ou encore à travers les politiques de soutien, nous avons une vraie stratégie de politique publique durable et socialiste. Dans le cadre de la mobilité, nous soulignons aussi les engagements pris par le gouvernement, peut-être pas tous, je vous le concède. Pour mon groupe, il est primordial de souligner que l'accessibilité et le haut niveau de service de transport en commun est fondamental, non seulement pour plus de la moitié des ménages bruxellois ne disposant pas de voiture, mais également pour tous les autres et tous les nafteurs. Selon nous, c'est une erreur d'opposer les pratiques et de considérer concurrents des modes de déplacement valables et performants comme alternative aux véhicules individuels. Si nous saluons également les moyens complémentaires prévus en fonctionnement,
notamment en vue de renforcer l'accessibilité tarifaire de la STIP pour les jeunes de moins de 25 ans et dans un second temps pour les plus de 65, nous savons qu'ils seront insuffisants pour un exercice budgétaire complet et mon groupe se montrera particulièrement attentif quant au développement de cette mesure. Les garanties offertes pour la réalisation du plan d'investissement nous satisfont. Mon groupe sera notamment attentif à la réalisation du Métro-Nord, le développement de nouvelles lignes de tram. Vous le savez, nous pensons que les transports publics sont un axe fort d'une politique de mobilité plus solidaire et plus écologique. Pour la politique de mobilité, nous défendons toujours trois principes. Premièrement, la concertation. Deuxièmement, un modèle juste socialement. Et troisièmement, un modèle tenant compte de l'empreinte écologique réelle. Cette green analyse est celle que mon groupe défend et défendra toujours. En ce qui concerne l'emploi, l'épidémie aura des effets négatifs sur les chiffres. Actiris montre que le taux de chômage est aujourd'hui de 16% et touche donc plus de 91 000 Bruxelloises et Bruxellois. Toutes les communes sont concernées. Le spectre du décrochage de masse, le Sherwoodisation, nous guette, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises dans l'enceinte de ce même Parlement. Il faut y accorder la plus grande vigilance. Le gouvernement a cependant pris les devants en augmentant les moyens de presque 85 millions d'euros pour le domaine de la mise à l'emploi. Avec un budget total d'1 milliard d'euros, cette nécessité est bien prise en compte et le groupe socialiste appuie bien entendu ce choix. L'économie sociale répond selon la définition classique à des besoins sociaux auxquels le public et le marchand ne répondent pas. Ce projet de budget poursuit l'investissement dans ce secteur essentiel, peut-être davantage aujourd'hui qu'hier, pour permettre à ce secteur de déployer la plénitude de ses moyens et d'atteindre les objectifs de la nouvelle ordonnance en termes de soutien du secteur associatif et de l'entrepreneuriat social. Économie sociale toujours, le secteur des titres-services ne voit pas son succès s'estomper à Bruxelles. Les travailleuses et les travailleurs de ce secteur ont connu une année très difficile. Le gouvernement ne les a pas oubliés. Avec une augmentation de presque 21 millions d'euros pour l'année à venir, nous sommes rassurés. Le gouvernement n'abandonne pas ce secteur et reste attentif à la situation de ces hommes et ces femmes qui restent confinés dans des emplois partiels avec un salaire moyen de 1 000 euros par mois. Nous attendons la réforme du système pour garantir un salaire juste et digne et les sortir de ce statut de travailleuses et de travailleurs pauvres. L'investissement dans l'emploi, c'est aussi la création de 100 nouveaux postes ACS dans le secteur essentiel de la santé et du social. Nous leur devons beaucoup et ce gouvernement ne les oublie pas. Autre avancée importante, le revenu de formation à travers la revalorisation de l'indemnité de formation. Cette dernière étape, consistant à doubler l'indemnité forfaitaire, est un premier pas. Nous saluons ce geste, mais une augmentation plus conséquente doit intervenir, comme le prévoit d'ailleurs l'accord de majorité, et nous y serons toujours attentifs. Autre satisfaction, le lancement prochain de la garantie solution, qui permettra d'élargir le champ de la garantie jeune à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Les territoires zéro chômeur de longue durée. Le gouvernement mènera une expérience pilote sur base du dispositif lancé en France et qui montre déjà ses premiers effets positifs. La France a d'ailleurs décidé d'augmenter le nombre de territoires participants. Je pense à Lille qui présente des ressemblances avec notre région et qui constitue une source d'inspiration. Le contexte institutionnel belge est évidemment différent et nous devrons passer par des études juridiques préalables. Mais bonne nouvelle, notre nouveau ministre fédéral du Travail est convaincu par cette idée et prévoit également d'avancer sur ce projet en concertation avec les régions. Le gouvernement n'a pas oublié les travailleurs salariés, également victimes de faillite, à travers un accompagnement adapté, le fonds Rebond, financé à hauteur de 3 500 000 euros. Ma formation est attachée à la création de cellules de reconversion et sur le long terme, nous devrons également nous doter de ce type de dispositif qui fait de la travailleuse et du travailleur le centre d'intérêt. Comme hier et aujourd'hui, nous militerons en faveur de cellules de reconversion. Nous accueillons très favorablement l'attention portée aux travailleurs indépendants et entrepreneurs qui auraient fait les frais de cette crise.
si les prononcés de faillite sont aujourd'hui suspendus et que les dispositifs fédéraux de sécurité sociale, comme le droit passerelle, jouent leur rôle, certains ne passeront pas entre les gouttes. Non couverts par l'assurance chômage, ces travailleurs pourront se retourner vers les CPS. Ce gouvernement a dégagé des moyens supplémentaires pour créer de nouveaux postes article 60. Les CPS restent des services publics vers lesquels ces travailleurs sont moins enclins à se tourner, mais nous encouragerons les réflexions menées pour s'adapter à ces nouveaux publics. Volet économique, mon groupe et moi-même saluons l'action du gouvernement envers les commerçants, injustement nommés non essentiels, qui ont été obligés à un moment ou à un autre de fermer leurs magasins, alors que leurs bailleurs ne renoncent pas à leur réclamer un loyer. 30 millions ont été prévus pour soulager autant que possible ces commerçants locataires. C'est une revendication que nous avons souvent appuyée. Lorsque les temps sont incertains, il y a un réflexe naturel chez nos concitoyennes et nos concitoyens à épargner, pour ceux qui le peuvent bien sûr. L'argent qui dort sur les livrets d'épargne est une ressource inutilisée. Ce gouvernement, comme la Flandre et la Wallonie, favorise la mobilisation de l'épargne citoyenne en faveur de l'économie locale durable à titre de financement alternatif. Les commerces et l'ORECA en ont grandement besoin. Ce gouvernement a tenu son engagement à l'égard de Finance Bruxelles. Plus de 100 millions ont été versés à notre Invest régional. L'effort se poursuivra en 2021 avec une nouvelle tranche de 26 millions d'euros. Venons-en aux communes et CPS. Elles et ils ont assumé et assument un rôle sans précédent durant la crise du coronavirus. Cette réponse immédiate, quotidienne et pratique est ce qui fait la richesse du travail des communes et leur rôle ô combien important dans l'architecture institutionnelle. C'est pourquoi j'aimerais saluer le travail de valorisation et d'harmonisation des statuts des agents de la fonction publique locale avec la provision de 15 millions d'euros afin de permettre le versement d'une prime unique en leur faveur. Ils le méritent certainement. Ils et elles le méritent certainement. Nous le savons, d'autres chantiers sont en réflexion. Mes collègues et moi-même y resterons attentifs. Il est aujourd'hui impossible de disposer de chiffres définitifs concernant l'impact de cette crise sur les finances communales. Des mesures de soutien financier ont été prises par la région, mais un effet de retardement est à craindre. Ces mesures doivent être maintenues afin d'alléger au maximum l'impact et d'anticiper les répercussions de la crise sur nos communes et nos CPS. Il faudra tenir compte de leurs spécificités, toutes ces entités n'étant pas égales devant cette crise. Nous apprécions l'augmentation de la dotation du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales. De plus, cette crise inédite a mis en évidence des enjeux importants en matière d'informatisation des pouvoirs locaux. En effet, les communes ont dû faire face à une demande croissante en matière d'outils informatiques pour la continuité des services publics. Relevons les 26 millions d'euros prévus à l'initial 2021. Pour la COCOM, la crise sanitaire met en exergue, si cela était nécessaire, l'importance de la fonction, de sa fonction de santé et d'aide aux personnes, notamment à travers Iriscare et autres opérateurs subsidiés. Ces politiques sont au cœur du combat socialiste. C'est un réel enjeu de service public pour les Bruxelloises et les Bruxellois, et a fortiori encore plus pour les plus fragiles d'entre eux. La pandémie a accentué les inégalités sociales et de santé. Ces institutions sociales et de santé doivent donc être soutenues pour lutter efficacement contre les inégalités pour la protection de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Je relève que 64 millions sont destinés à répondre aux défis du tracing, testing et de médecine préventive dans le contexte de crise que nous connaissons. Monsieur le ministre, 150 millions supplémentaires pour les politiques sociales et de santé, ainsi que la somme, la norme de croissance prévue pour Iriscare, norme de croissance réclamée par les partenaires sociaux d'ailleurs. Nous marquons notre satisfaction que 2 millions de cette norme de croissance soient affectés à la reconversion des lits MR et en lits MRS. Cela améliorera l'encadrement en personnel des résidents les plus dépendants et aura un effet positif sur l'emploi. La reconversion de lits MR en lits MRS est en effet un enjeu important
de la présente législature. Ce chantier doit être développé rapidement. Nous tenons à également, au nom de mon groupe, à saluer l'importance des moyens consacrés pour le secteur du non-marchand. Le Collège s'engage à revaloriser les rémunérations et à implémenter la nouvelle classification de fonctions IFIC dans les secteurs régionalisés bruxellois. Nous devons garantir à travail égal, salaire égal et maintenir une attractivité de l'emploi dans ces fonctions prioritaires. Ces moyens sont, selon moi, un signe positif pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du secteur non marchand bruxellois. Nous remarquons également les renforts de moyens prévus en santé mentale, secteur particulièrement touché par l'évolution des conséquences de la crise. L'appel des parlementaires a été entendu. Nous vous en remercions. Nous apprécions les moyens octroyés pour réaliser les plans locaux de santé. Mon chef de groupe l'avait déjà évoqué, environ 40% de la population bruxelloise est en situation de pauvreté et 10% en situation de privation matérielle sévère. Dès lors, Monsieur le Ministre, le CPS est et reste une priorité. Le Fonds spécial de l'aide sociale est donc essentiel et doit être maintenu. Nous soulignons tout particulièrement les moyens importants mis dans la lutte contre le sans-abrisme. Nous serons attentifs à ce que l'ordonnance sur l'accueil soit véritablement mise en œuvre et que les moyens nécessaires soient accordés à ces acteurs comme Bruce Help ou New SAMU Social. Je ne suis pas revenu sur l'ensemble des missions analysées dans les commissions ad hoc. Je pense que cela a fait l'objet de longs débats. Mon groupe soutient ce projet de budget. Vous êtes sur la bonne voie. Votre gouvernement investit pour Bruxelles, pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Nous espérons que les dernières nouvelles concernant le budget européen et les moyens dévolus pour la Belgique seront à la hauteur de vos estimations. Vous le savez, Monsieur le Ministre Président, Monsieur le Ministre des Finances, en investissant pour Bruxelles, on investit pour l'ensemble du pays. Nous souhaitons ardemment que la solidarité entre régions et entre régions et État fédéral resteront la ligne de conduite sur le plan de la relance. Ce changement de paradigme, ce shift budgétaire vers l'investissement et la relance se poursuivra au profit de toutes et de tous, quelle que soit leur origine, leur culture, leur statut social. Se poursuivra également au profit de la concertation sociale, peu importe le banc que l'on défend, au profit du rayonnement de Bruxelles, et ce, en bonne intelligence avec le fédéral et les autres régions, au profit des Bruxelloises et des Bruxellois, mais aussi et surtout, et pour conclure, au profit de toutes et tous pour un monde plus juste et solidaire. Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Ministre des Finances, vous l'aurez compris, notre groupe apportera son plein et entier soutien à votre projet de budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur Geysels. Alors, de heer Verstraeten wil graag tussen beiden komen voor persoonlijke feiten, conformément au règlement. Donc, Monsieur Verstraeten souhaite intervenir brièvement pour faits personnels. U hebt het woord, meneer Verstraeten. Dank u wel, meneer de voorzitter, voor deze tussenkomst over het persoonlijk feit. Et je vais le dire en français, pour que Monsieur Geysels peut bien le comprendre. Je ne sais pas s'il est de la même logique que son président de parti, M. Magnette, qui veut voir disparaître la communauté flamande de Bruxelles, ou s'il ignore tout simplement l'existence de la communauté flamande à Bruxelles. Je veux lui dire que je suis très fier, mais très fier d'avoir ce drapeau officiel de la communauté flamande bruxelloise derrière moi, dans mon bureau, symbole de tous les flamands et tous les néerlandophones bruxellois, qui s'engage jour après jour, si c'est dans l'enseignement, dans la culture, dans le social, dans tous les secteurs, pour notre région, pour notre ville. Donc je suis très fier de ce symbole, il n'y a rien de particulier, de problématique là-dedans, c'est le drapeau officiel de la communauté flamande à Bruxelles qui contribue énormément à la richesse de notre région. Thank you, meneer Verstraeten. Alors... Monsieur le Président... Juste peut-être que allez-y. J'ai beaucoup d'amis dans la communauté flamande et tous les 11 tous les 11 juillet, je fêtais d'ailleurs volontiers avec la communauté de Forêt la fête des éperons d'or. Donc je n'ai absolument aucun problème. Je trouve simplement, mais
de manière générale, c'est que quand on siège dans cette Assemblée, on, me semble-t-il, on représente avant tout sa région. Et je trouve que commencer à apparaître avec des signes de communauté de l'un ou de l'autre dans cette Assemblée, je trouve ça personnellement dommage. Et moi, vous ne me verrez pas apparaître avec le signe de la communauté française dans mon dos. Voilà, c'est un choix personnel et je voulais le noter parce que malgré tout, et je comprends très bien ce que vous venez de me dire et je le respecte tout à fait, c'est peut-être quelquefois ambigu et je trouve ça dommage. Voilà, ceci étant dit, on ne va pas se lancer dans un débat sur les communautés, on est au Parlement régional et on continue le travail parce qu'on a du pain sur la planche. Nu gefit graketwoord aan meneer Verstraten voor de Groen-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter, geachte voorzitter en geachte ministers, beste collega's. Exact een maand geleden begonnen we de bespreking van de begroting 2021 in dit parlement. En ik ga niet herhalen wat de Groene parlementsleden in de afgelopen maand in die verschillende commissies allemaal over die thema's hebben gezegd. Ik wil alleen de belangrijkste kwaliteiten van deze begroting in de verf zetten. Solidariteit en moed. Solidariteit ten eerste. We weten allemaal nog niet hoe groot de impact van COVID in 2021 zal zijn. We weten wel zeker dat er een impact zal zijn en dat we onze beste troefkaarten moeten spelen. Solidariteit, samenwerking en zorgen voor elkaar. Een jaar geleden had niemand van ons COVID-19 gehoord. 80.000 Brusselaars werden intussen in het afgelopen jaar ziek. In ons gewest alleen al zijn meer dan 2.500 mensen gestorven. Voor 10% van de mensen die ziek werden, zal ademen nooit meer zo gemakkelijk en vanzelfsprekend zijn. Die patiënten die worden verzorgd door personeel dat een dagelijkse blootstelling aan een levensgevaarlijk virus moedig getrotseerd heeft. Gewoon om anderen te helpen. En nu is het aan ons om solidair te zijn met hen. De eenmalige premie van dit jaar is wel verdiend, maar vooral de recurrente middelen die via de sectorale akkoorden zijn voorzien, die zijn belangrijk. Daar is 39 miljoen voorzien voor 2021 en dat zal stijgen tot 103 miljoen in 2024. We zijn met onze fractie ook wel onder de indruk van de solidaire plannen van deze regering voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. 40 miljoen euro voor dak- en thuislozen. Dat is een recordbudget. Dat geld gaat zowel naar Housing First als naar innovatieve projecten. We laten niemand achter. Afgelopen zomer hebben talloze Brusselaars in een woning zonder tuin of terras de waarde van buitenruimte en verse lucht ook intens ervaren. COVID heeft eens te meer de nood aan kwalitatieve publieke ruimte aangetoond. Groene ruimte kalmeert, biedt kansen om uit te waaien, om niet constant op elkaars lip te zitten. De openbare ruimte herverdelen is dus ook een vorm van solidariteit. De regering en vele gemeenten deden het al, met extra ruimte voor voetgangers, 40 kilometer fietspaden en een grotendeels autovrij ter Kamerenbos, bijvoorbeeld. Maar in Brussel staan sommige dingen nog altijd op hun kop. Koning Auto krijgt nog altijd overdadig veel ruimte, terwijl mensen krap en om buitenruimte verlegen zitten. Dat moeten we omkeren. Maak openbare ruimte vrij voor mensen. Voor bomen, voor bankjes, terrasjes, speeltuinen, bredere voetpaden, fietspaden enzovoort. Zet de geparkeerde wagens in off-street parkings. Die bestaan al. 740.000 zijn er, voor een vraag van slechts 500.000. Dus die kans moeten we grijpen. En nog fundamenteler dan dit is het gegeven dat meer dan 48.000 gezinnen zich geen woning kunnen veroorloven zonder aanzienlijke steun van de overheid. En ook hier gaat Brussel verder dan ooit met inspanningen om versneld een antwoord te bieden, met een noodplan voor huisvesting, waarvoor 170 miljoen euro voorzien is. Ook ondernemers die het zwaar te verduren kregen in het afgelopen jaar kunnen op solidariteit rekenen. Er is het urgentie-interventieteam van HUB om bedrijven in moeilijkheden te helpen, het Rebound Fund en het Reload-initiatief.
Er is de uitbreiding van B Circular en er is 26 miljoen euro extra kredieten voor Finance Brussels, gekoppeld aan duurzame doelstellingen. En er zijn ook meer middelen om de proxyleningen verder uit te bouwen. En ook werkzoekenden kunnen via onder meer de Phoenix-premie op solidariteit rekenen van deze regering. Deze begroting blinkt dus uit in solidariteit. En dat heeft inderdaad ook zijn prijskaartje. Meer uitgaven en tegelijk minder inkomsten. En dat betekent dus inderdaad, zoals dat collega's al hebben aangehaald, dat we in het rood gaan. En dat is geen leuke beslissing. En dat is wel de juiste beslissing. Want daar is moed voor nodig ook. En ik heb al eerder verwezen naar het belang van anticyclisch investeren. Het is nu dat we dit moeten doen. Het is niet nu dat we moeten gaan besparen. Dit is de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Solidair zijn is goed, maar het is niet goed genoeg. Deze regering kan in 2021 het verschil maken door moed te tonen. En dat is trouwens niet alleen zo voor de regering, maar ook voor het parlement. En wij moeten ook bijvoorbeeld de moed hebben om te innoveren. Om burgers te betrekken, geachte voorzitter, bij onze besluitvorming. Wij hebben een eerste voorstel voor gemengde overlegcommissies ingediend. En wij kijken er naar uit, meneer de voorzitter, om samen met u en de diensten van bij het begin van het jaar te pionieren en keihard aan de slag te gaan met dit parlement hier in Brussel. Ook de regering moet moed tonen met deze begroting. De uitdagingen zijn enorm. Maar de kansen zijn er ook. Het budget voor gelijke kansen is met 50% verhoogd en dat is goed. Wij moedigen deze regering ook aan om nu door te zetten. Voer proactieve tests in om discriminatie op de huurmarkt en op de arbeidsmarkt meetbaar en bespreekbaar te maken. En vooral natuurlijk om de discriminatie terug te dringen. En de experimenten in Gent op dat vlak bewijzen dat gewoon de dialoog aangaan op basis van vastgestelde feiten al volstaat om een zeer effectief verschil te maken op het terrein. Huisvesting. De huurtoelagen komen er eindelijk dit jaar. Dat is solidair en dat is goed. Eindelijk komen er ook de paritaire huurcommissies. En die vragen moed. Die laatste zullen ervoor zorgen dat de prijzen niet langer ongebreideld stijgen. Hier is tegenkanting en angst van de eigenaars en van investeerders. Maar zij hebben ook te winnen bij een stabiele huurmarkt met voorspelbare prijzen en dus ook voorspelbare inkomsten. Mobiliteit. Ook in deze financieel harde tijden is er een moedig budget van meer dan 1 miljard euro te investeren in metro, meer trams, bussen, meer fietsinfrastructuur enzovoort. Maar er zal vooral moed nodig zijn om in 2021 de eerste verkeersluwe wijken, les mailles apaisées, in te voeren. En om bij de start van het nieuwe jaar een historische sprong voorwaarts te maken richting Vision Zero. Stad 30, Ville Trente. De ganse stad op mensenmaat, aan een rustiger en niet dodelijk tempo. En ook dat zal in het begin tot weerstand leiden, maar wie moedig doorzet, zal levens redden. En als je dat voor ogen houdt, is 7 miljoen euro absoluut een bescheiden prijs. Klimaat. Klimaat is zorgen voor elkaar in de meest abstracte vorm. Zorgen voor de kinderen en de kleinkinderen van onze kinderen. Ook in deze crisis moet de regering op dit vlak vol doorzetten. En dat doet ze. Met 42 miljoen euro extra. Voor een ambitieus klimaattraject. Dat zal inzetten op biodiversiteit, meer bomen en groen in onze stad. En voor het eerst zal dat doorgetrokken worden in alle beleidsdomeinen. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar dat zal ook moed vragen om het effectief te doen. Bijvoorbeeld om de richtplannen van aanleg, de PADS, bij te sturen op basis van de inspraak van de burger, wanneer die bijvoorbeeld vraagt om meer groene ruimte. Wij wensen de regering die moed toe. Moed is ook beslissingen nemen op vlak van fiscaliteit, waarvan je weet dat ze een stap vooruit zijn in het algemeen belang. Beslissingen die verandering brengen en dus ook weerstand zullen oproepen. Bijna alle partijen hier hebben zich in het verleden uitgesproken voor kilometerheffing.
De meesten hebben het zelfs nog steeds in hun programma staan. Maar nu slaat de angst hen om het hart. Ze schreeuwen moord en brand. Er is hier gewoon een eerste voorstel voor overleg op tafel gelegd door de regering. Er was al in 2009 een akkoord tussen de drie gewesten om kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren en om die zo te voorzien dat die uitbreidbaar was naar lichte voertuigen. En toch wordt er geroepen, wow, zonder overleg. En we mogen inderdaad verwijzen, beste collega, naar de Vlaamse regering. Want die had plannen. Die ging kilometerheffing invoeren na uitgebreide studies die bevestigen dat dit het beste is dat we kunnen doen. Tot het Vlaams Belang een anticampagne startte en de schrik erin zat bij de N-VA. Wegplan. Electorale berekening voor het algemeen belang. Je zult geen experts vinden die het voorstel van deze regering een slecht idee vinden. Het is een belastingverschuiving. In plaats van een vast bedrag betalen, ongeacht wat je gebruikt, verandert je bijdrage in functie van je gebruik. Er is eigenlijk een duidelijke beloning voorzien voor iedere automobilist. Elke keer die ervoor kiest om de auto te laten staan of de auto buiten de spitsuren te gebruiken, is er een onmiddellijke korting. Veel Brusselse automobilisten zullen hoe dan ook minder betalen, want de vaste verkeersbelasting valt weg. En hoe dan ook zal iedereen vlotter rijden. En hoe dan ook zullen alle Brusselaars van meer gezonde lucht genieten. In de eerste plaats de helft van de Brusselse gezinnen die gewoonweg geen auto bezitten, maar wel de dagelijkse vervuiling moeten inademen. En natuurlijk moeten er sociale correcties zijn. Natuurlijk, die zitten er ook in. Maar de belangrijkste sociale correctie, die zit hierin. De belangrijkste wegen, beste collega's, dat zijn onze luchtwegen. En bij dat belang van die gezonde lucht, daar wil ik nog even bij stilstaan. Want daar komen de solidariteit en de moed samen. We hadden het afgelopen jaar de mond vol over COVID. Maar er is te weinig aandacht gegaan naar de echte oorzaken. Onderzoeken van Harvard, Cambridge en andere universiteiten bevestigen, er is 20% meer kans om besmet te raken en aanzienlijk meer kans om te sterven aan COVID in gebieden met luchtvervuiling. Voor elke microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht extra hebben COVID-patiënten 8% meer kans om aan dit virus te sterven. Anders gezegd, duidelijker gezegd, een conclusie van die onderzoekers is dat 78%, dus bijna 80% van de doden, in de meest vervuilde regio's vallen. En natuurlijk moeten we dus solidair zijn en zieken verzorgen, mondmaskers dragen, afstand houden, onderzoek doen om vaccins te vinden. Maar we moeten ook moedig zijn en zien welke structurele problemen deze crisis in de hand gewerkt hebben, zoals luchtvervuiling. En we moeten vooral de moed hebben om daar samen aan te doen wat nodig is. Daarom zijn we toch hier in de politiek gekomen allemaal, om de dingen beter te maken. En als je dat kan doen op al die vlakken, Brusselaars vooruit helpen, dan moet je de rug rechten en dan moet je dat gewoon moedig doen. Het spreekwoordelijke, de beste stuurlui staan aan wal, lijkt op het eerste zicht wel van toepassing hier. Al kan je hier eigenlijk beter zeggen, de beste stuurlui staan gelukkig aan het stuur in dit Brusselse schip en doen wat nodig is om Brussel resoluut richting een betere toekomst voor alle Brusselaars te varen. Onze fractie wenst u, beste regering, goede moed en veel standvastigheid in de komende stormen, groot en klein, om te doen wat nodig is. Op onze steun kunt u rekenen. Dank u wel. Dank u, meneer Verstraeten. Nous passons à présent au groupe PTB. Je cède la parole à madame De Smet, ou d'abord monsieur Andichi, et vous souhaitez intervenir à la tribune, c'est ça? Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Ça faisait tellement longtemps à la tribune. Hein. Donc, le gouvernement. Vous avez pris des mesures, la taxe kilométrique, pour régler notre problème de mobilité, de qualité de l'air et d'environnement
en région bruxelloise. Soyons clairs tout de suite. Est-ce qu'il faut prendre à bras le corps ces problèmes-là? Oui, oui, oui. Mais pas avec les politiques actuelles que vous menez de mobilité, que vous appliquez selon pour répondre à ces enjeux. Ça, c'est complètement faux. En plus, vos politiques aggravent les inégalités sociales en imposant des solutions individuelles, socialement injustes et peu efficaces. Vous mettez la taxe kilométrique. Une taxe kilométrique qui va rapporter 500 millions d'euros par an aux caisses de la région. L'ancien système de taxes de mise en circulation et de taxes de circulation était rapporté 200-220 millions. Ici, clairement, on voit qu'il y a 280 millions qui vont être pris dans les poches des travailleurs. Des travailleurs qui n'ont d'autre solution que de prendre leur automobile pour aller travailler. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les travailleurs sont dans les embouteillages chaque matin. Il ne faut pas croire qu'ils prennent un kiff. Ça, c'est faux. Ils veulent une alternative, mais cette alternative, les transports en commun efficaces et confortables, n'est toujours pas au rendez-vous. Au lieu de vous atteler à ce problème-là et de débloquer des fonds, de l'argent pour développer un transport public qui puisse répondre à ces enjeux climatiques, qui puisse répondre à la réalité de ces travailleurs, vous avez le réflexe le plus simple, c'est d'aller mettre une taxe kilométrique. Et ici, je suis assez d'accord de ce que je viens d'entendre du côté de Groen. Il y a une peur. Il y a une peur dans ce gouvernement, il y a une peur dans cette majorité parlementaire, et ça, c'est positif. Ce matin, j'étais encore dans les carrefours de Bruxelles pour aller sensibiliser les gens sur cette taxe kilométrique, et je peux vous dire que ça a fait du bruit. Ça a klaxonné tellement qu'ils sont contre. Hein. Là, c'était vraiment un florilège, et les gens comprennent que ça va leur faire mal. Ça va leur faire mal à la poche, et ils comprennent qu'il n'y a toujours pas d'alternative. Non seulement vous ne faites pas votre job de développer une alternative crédible, mais en plus, vous allez leur pomper de l'argent. Et ils sont fâchés, et je suis d'accord avec ici, avec Groen, les gens sont fâchés. Ils sont tellement fâchés que ça a obligé Ahmed Laouesh, chef PS bruxellois, de dire une petite phrase le 15 décembre. Il s'agit d'une taxe antisociale, très éloignée des valeurs socialistes. Nous ne voterons pas une taxe antisociale. Merci Ahmed Laouesh, tu as compris que c'était une taxe antisociale. Merci. Mais par contre, ici, moi, je suis fort étonné de voir et d'entendre le PS qui dit un demi-mot, très légèrement, et je suis très fort étonné, et moi, je le capte comme étant une fragilité politique. Même votre chef de groupe n'est pas là. Il se fait remplacer. Il est passé, il est rentré par ici, et puis il est parti. Parce qu'il savait très bien qu'on allait parler de la taxe kilométrique, je suppose. Et effectivement, il y a une fragilité, il y a une peur, Arne Verstaat, je suis tout à fait d'accord. Et ici, ça doit être positif pour que les gens puissent encore se mobiliser et ils vont vous faire reculer sur cette taxe kilométrique. Le PTB a lancé une pétition. Le PTB a lancé une pétition. Et en deux jours, on a eu 3000 signatures. Une semaine plus tard, on est à 9000 signatures. Non, mais vous n'importe quoi. Donc, ici, un défi, juste une petite précision que le ministre-président nous donne, oui, le chef de groupe socialiste voilà, que monsieur, siège dans une commission Ridwan de concertation. Ridwan Chahit est en commission de concertation en tant qu'échevin de l'urbanisme qu'il préside. C'est le jeudi après-midi, il préside la commission de concertation. Voilà. Et ne faites pas de lien. Voilà. Il y a un choix politique. Il aurait pu être présent et se faire remplacer. Il y a un choix politique, mais voilà. Moi, je vous dis, je m'accroche un petit peu à l'idée de Groen, qui a une fragilité qui est exprimée par rapport à ce geste politique. Et ça, ça doit être motivant, ça doit être boostant pour les gens de vous faire reculer. Donc, je vous disais, le PTB a lancé une pétition et en 24 heures, on a eu 2-3 000 signatures. Aujourd'hui, une semaine plus tard, nous sommes à plus de 9 000 signatures. Là, c'est un signe clair. Dimanche, il y aura une manifestation. Personnellement, j'irai pour manifester avec tous ces gens qui sont contre cette taxe injuste, taxe antisociale. Monsieur Laouesh, reprenez votre groupe politique en main. Le PS bruxellois dans ce Parlement ne vous écoute pas. Heureusement que vous êtes là. On va continuer à vous mettre la pression pour reprendre les choses en main. Ça, c'était pour la taxe kilométrique. Maintenant, dans votre déclaration de politique générale, vous aviez parlé de la gratuité des transports publics pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Le PS, depuis 2009, il prétend ou il propose ou il promet les transports publics gratuits depuis 2009. Dans votre déclaration de politique générale, vous l'aviez. Dans votre accord de majorité, vous l'avez. Très vite, Écolo sort ce visuel sur Facebook. Victoire verte. Et la réponse du PS, acquis du PS.
gratuité pour les moins de 25 ans. On sait qu'aujourd'hui, il n'en est rien. Voilà. Je ne sais pas où vous êtes. On attend toujours. Les plus de 65 ans, pour nos anciens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé, ils avaient ce transport public gratuit. Vous leur avez enlevé. La justice aurait voulu que vous le redonniez. Mais ça, ce n'est pas fait. Je vais terminer mon intervention par rapport à la STIB. À la STIB, ces travailleurs de première ligne, ces héros de notre société du Covid-19. Monsieur le ministre président, monsieur le ministre du budget, madame Elk van den Brandt, elle aussi, elle n'est pas là, elle doit être certainement dans une autre commission quelque part, on ne la voit plus. Les travailleurs de la STIB vous réclament une seule chose. Moi, il y a Antonio, et que je salue d'ici, qui m'a dit, Youssef, Antonio, il faut vraiment le connaître, c'est un mécano à la STIB, c'est un brave gars, un mec gentil, serviable, un travailleur, qui me dit, Youssef, elle est où notre prime? Notre prime du Covid, elle est où, Youssef? Pourquoi ils ne comprennent pas que nous, on était là en première ligne, on a servi notre société, elle est où cette prime? Il m'a dit, Youssef, demande-leur, on a besoin de cette prime, on la veut. Voilà, Antonio, je t'avais fait la promesse de le dire dans ce Parlement, monsieur le ministre président, je vous le transmets, monsieur le ministre du budget, j'espère que vous l'avez noté quelque part, madame la ministre de la mobilité, je ne sais pas où elle est aux abonnés absents. J'avais dit que pendant la commission que j'avais dit que il fallait maintenir les prépensions des travailleurs de la STIB, ça a été balayé d'un revers de la main. Et aussi, j'avais demandé par rapport au droit de retrait, au lieu d'engager des fonds dans un gros cabinet d'avocats, de plutôt payer ces jours d'action aux travailleurs. Et ça aussi, ça n'a pas été entendu. Mais rendez-vous plus tard pour une victoire des travailleurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Andichi. Madame, alors on va juste entre les deux, selon le protocole sanitaire. Et je remercie les équipes encore pour leur efficacité. Meneer de voorzitter, mag ik even tussenkomen voor een persoonlijk feit? Ja, geen probleem. Dank u wel, want ik ben meermaals geciteerd door de vorige spreker, maar op een foute manier. Ik vrees dat het niet de eerste keer en waarschijnlijk ook niet de laatste keer is dat woorden verdraaid worden, maar bon. Ik heb niet gezegd dat er fragiliteit is in deze regering. Ik heb gezegd dat er moed nodig is om dit te doen. En ik heb niet gezegd dat de mensen kwaad zijn. Ik heb wel gezegd dat dit nodig is. Voor alle Brusselaars die lijden onder de luchtvervuiling. Ik heb erop gewezen dat 80% van de doden gelinkt aan COVID vallen in gebieden met de meeste luchtvervuiling. En Brussel lijdt daaronder. 600 doden per jaar door luchtvervuiling. En dat treft ook de helft van de Brusselaars die geen auto bezitten. En dat zijn meestal niet. Dat is niet de rijkste helft, beste collega. De mensen die in precariteit leven, maar dat u zegt dat u mee bezig bent, dat u mee begaan bent, die worden beter van een eerlijk systeem, een eerlijkere betaling voor het gebruik van de weg en een systeem dat de vervuiling vermindert. De smart move is eerlijk en sociaal. Dat was mijn punt. En het is moedig om dat door te voeren en ik vraag dus moed, ook van u, om daar ernstig naar te kijken en daar correct over te informeren en in het belang van de mensen te handelen. Dank u wel. Dank u, meneer Verstraeten. Madame de Smet, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, donc je ne vais rien dire de très surprenant pour commencer. Je pense que tout le monde est conscient ici que depuis des dizaines d'années, les inégalités sociales en région bruxelloise se creusent et que la pandémie n'a fait qu'aggraver cette situation insupportable. Celle entre autres d'une ville où un ménage sur cinq a du mal à se chauffer, à s'éclairer ou à accéder à de l'eau potable. Alors certains d'entre vous l'ont entendu en commission Covid quand Céline Nieuweneus est venue de la Fédération des services sociaux et qu'elle est venue parler des chiffres de la précarité qui explose, elle n'a pas été tendre. 47% de demandes de colis alimentaires supplémentaires. Dans une des régions où sont produites le plus de richesses en Europe, des gens ont faim. Il y a des citoyens, le ventre vide depuis plusieurs jours, qu'on renvoie d'un centre de distribution alimentaire débordé à un autre, d'autres qui mendient quelques denrées à leurs voisins la nuit tombée en faisant du porte-à-porte. Et pas besoin d'une chute spectaculaire de revenus, pour beaucoup, la frontière avec la précarité se fait à quelques dizaines d'euros près, 30% de revenus en moins pour tous ces travailleurs et surtout ces travailleuses qui travaillent à temps partiel ou qui ont des bas salaires, c'est beaucoup.
Aujourd'hui, c'est bien pire, mais ils galéraient déjà avant le Covid. On avait déjà les factures d'eau qui avaient fortement augmenté, l'explosion des coupures d'eau, le loyer qui a grimpé de 20% au-delà du coût de la vie, sans parler des augmentations de l'électricité et du gaz. On sait très bien que cette crise n'a fait qu'accentuer un processus qui était déjà là avant. Alors, pourquoi est-ce que ça ne percute pas chez vous? Pourquoi vous faites les émus en commission Covid quand on vous rappelle la réalité que vous avez créée depuis des dizaines d'années et puis, hop, on sent que ça vous glisse dessus? Comment faites-vous pour rester aussi tranquille face à cette détresse? En tout cas, pour changer la situation qui était déjà dramatique avant 2020, il va falloir beaucoup plus. Il va falloir que les pouvoirs publics posent des actes forts, mais aussi des actes différents. Il est possible de prendre des mesures sociales qui ne coûtent rien, comme l'encadrement des loyers ou l'interdiction des coupures d'eau. Il est possible d'investir massivement dans le logement social pour que ça rapporte à long terme. Il est possible de faire reposer les normes d'aide régionale qui a été créée ces dernières années sur les épaules, de ne pas la faire reposer sur les épaules des ménages et des travailleurs, mais d'aller chercher des recettes ailleurs au lieu d'annoncer déjà des économies. Alors au niveau de l'emploi, le budget prévoit désormais plus d'un milliard d'euros, mais on continue dans l'activation des chômeurs, 170 millions d'aides directes à l'économie, 25 millions dans la recherche des grosses boîtes comme Solvay ou Audi, sans parler des dizaines de millions d'euros dépensés pour lancer toutes sortes d'appels à projets one-shot avec le privé ou pour payer des consultants à 1 000 euros la journée. On parle notamment de 17 millions de consultances rien que chez Actiris. Avec de telles enveloppes, on pourrait créer des dizaines de milliers d'emplois durables, de qualité et qui répondent aux besoins sociaux et écologiques. Mais non, à la place, vous continuez la stratégie de la course à la prime, même si ça coûte très cher à la région et même si ça précarise l'emploi. Là, on est dans la stratégie du puits sans fond qui ne rapporte pas. Aujourd'hui, il manque 100 000 emplois à Bruxelles. Et plutôt que de créer de l'emploi, on forme des chômeurs à la place des entreprises et on crée des nouvelles primes pour les rendre plus attractifs d'une région à l'autre. Pourquoi s'en priver, puisque ces mesures viennent directement des mémorandums de BSI et de l'AFEB? Des entreprises comme Carrefour ou Colruyt, qui sont bien enrichies, qui se sont bien enrichies pendant cette crise, peuvent se permettre d'embaucher un travailleur qui a la meilleure prime et puis le remplacer par un autre, dès que la prime est finie, voire même de supprimer un emploi durable. Et en attendant, pour tous ceux qui sont restés sur le carreau et qui continuent d'attendre dans la file de l'emploi, vous mettez en place du coaching. 90% du faux rebond qui va directement dans les grosses boîtes d'intérim ou autres pour coacher les chômeurs. Est-ce que vous croyez vraiment que du coaching va amener quelque chose dans l'assiette des chômeurs? Une autre belle enveloppe servira à encourager les chômeurs à lancer leur propre business. Mais est-ce que vous avez conscience que vous voulez les envoyer au casse-pipe? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris quand toujours plus d'indépendants font faillite, tombent dans la dépression, voire même se suicident tellement les aides de crise sont insuffisantes pour eux? À côté de ces budgets faramineux pour précariser l'emploi et activer les chômeurs, les aides de crise pour les petits commerçants sont toujours insuffisantes. Ce week-end, c'est le tenancier de la brasserie Wörskuren à Saint-Gilles qui lançait un appel de détresse. Après des 10 décennies de travail, sa brasserie est au bord du gouffre. Le propriétaire du lieu, un grand groupe brassicole qui ne paye quasi pas d'impôts, n'a pas suspendu le loyer pendant la fermeture. Alors ça fait maintenant 9 mois qu'on vous dit que les aides ne sont pas suffisantes, qu'on vous demande par exemple de faire contribuer à BNBF ou d'autres groupes immobiliers. Ça ne coûte rien au pouvoir public. Mais à la place, vous avez servi des effets d'annonce. Votre mesure sur les loyers qui avait été annoncée au début de l'été, en plus d'être peu efficace puisqu'elle repose quand même sur base volontaire des gros propriétaires, n'est toujours pas mise en œuvre. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre que vous pourriez créer des milliers d'emplois durables et productifs dans des secteurs comme la rénovation et l'isolation des bâtiments ou encore dans les soins de santé? Créer des emplois, c'est investir dans l'avenir. Mais non, vous faites le choix des primes puits sans fond pour les pouvoirs publics, mais tout bénef pour les grandes entreprises. Vous faites le choix d'aggraver la précarité de l'emploi, ce qui n'arrangera en fait rien du tout au niveau de l'économie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas non plus quand les soignants vous demandent plus de bras? Vous prévoyez 7 millions d'euros en 2021 alors que le Front commun syndical en demande 100. 30 millions prévus en 2024, c'est dans 4 ans, et cela ne fera en fait, ça n'aidera seulement à augmenter les salaires que pour le personnel des maisons de repos, le reste du non-marchand restant sur le carreau. Et ça ne fait toujours pas de bras en plus. Et puis, il y a toute la question du logement. Alors, on a reçu un petit tableau en annexe du budget avec le planning 2021. Et si je compte bien, ça fera, vous annoncez donc, de livrer 550 logements sociaux en 2021. Alors, c'est mieux que les 318 de 2019. Mais dans le même temps, dans la note d'orientation, on ne voit pas une annonce aussi grande
que dans les tableaux. Alors, on se demande qui on peut croire au final. Alors, admettons même qu'on ait 550 nouveaux logements par an, s'ils arrivent, ça mettra encore 89 ans pour arriver au bout de la liste d'attente des 49 000 familles. Alors, des logements sociaux, nous, on estime qu'il en faut beaucoup plus, non seulement pour répondre aux besoins, mais aussi pour qu'ils soient un investissement durable. Il faut que par l'arrivée de beaucoup plus de loyers, la gestion du logement public tienne la route. Et on a un levier pour ça qui s'appelle les charges d'urbanisme, qui pourraient ne rien coûter au niveau des pouvoirs publics non plus, mais évidemment pas une version édulcorée des charges d'urbanisme, une version claire, par exemple la construction de 30% de logements sociaux obligatoires dans les grands projets privés immobiliers. C'est un moyen de faire contribuer les barons de l'immobilier qui, comme vous le dites vous-même, monsieur le ministre-président, ne sont pas des philanthropes. Ceux-là sont évidemment là pour la rentabilité de leur capital et rien d'autre. Mais votre rôle, pourtant, en tant que pouvoir public, c'est de les cadrer, justement. Alors, avec ce tiers de logements sociaux dans les projets privés, et si on appliquait vraiment 50% de logements sociaux sur les terrains publics, avec tous les projets d'EHPAD qui sont en route, et notamment aussi des projets comme le quartier Bistebrook, on pourrait arriver à 5000 logements sociaux produits, ce qui permettrait d'accélérer leur production. Parlons aussi des rénovations. Le nombre de logements sociaux vides est encore en augmentation. 4170 en 2020, ils étaient 3684 en 2018. Alors manifestement, ces chiffres montrent que les rénovations et la production de logements sociaux de qualité ne vont pas assez vite. Et là, on se demande où est l'intensification que vous avez promise. Et la conséquence dans tout ça, c'est que des milliers de familles logent toujours dans des conditions insalubres et indignes en ce moment. Et puis, il y a toujours évidemment la mesure qui ne coûte rien non plus, c'est de prolonger le moratoire sur les expulsions domiciliaires jusqu'à la fin de la crise. Ça ne coûte pas un centime, mais ça éviterait de jeter des familles à la rue qui sont déjà bien trop nombreuses dans notre région. Parlons aussi des recettes, par exemple les droits d'enregistrement. Là, on aurait une source pour faire contribuer les plus larges épaules, à condition évidemment qu'ils arrêtent d'utiliser les niches pour échapper à payer ces droits d'enregistrement. Alors, on ne comprend pas pourquoi on ne sent pas l'urgence de régler ce problème chez vous. Vous devriez avoir, excusez-moi l'expression, mais vous maniez le derrière pour résoudre ça. Donc, vos partis sont au pouvoir au fédéral maintenant. Appelez-les. Ce sont des millions que l'on pourrait récupérer pour investir dans notre région. Alors, oui, je pose la question, pourquoi vous ne le faites pas? Mais j'oublie à côté de ça, évidemment, qu'il est plus facile de mettre en place la taxe kilométrique. Pour ça, on est prêt à dépenser 93 millions en 2021. Avec ce montant, on pourrait engager 1000 personnes dans les maisons de repos. 93 millions dégagés pour tracer nos déplacements à la caméra et pomper l'argent des travailleurs. Par contre, de l'autre côté, le traçage du virus, dont on a besoin pour sauver des vies, lui, n'a pas eu à droit autant d'argent. Il y avait comme conséquence un effondrement du système testing et suivi de contact et un deuxième confinement. Et je conclurai juste par vous dire, le temps du « j'ouvre les guillemets, sire, taxons les pauvres, ils sont plus nombreux » de Louis XIV est terminé. Les travailleurs salariés, les indépendants, les intérimaires, les étudiants, les travailleurs de la culture, de l'Eureka, les enseignants, les soignants, les familles monoparentales, tous ceux-là n'en peuvent plus. Il faut sortir du Moyen-Âge des taxes injustes comme la taxe kilométrique et faire contribuer ceux qui sont peu, les 1%, mais beaucoup plus rentables. Vous avez des leviers en main, ici aussi à la région, pour les faire contribuer. Vous avez le choix d'appliquer des mesures qui ne vous coûtent rien, mais qui sont quand même sociales. Vous avez le choix de faire des investissements qui vous rapportent. Mais ces choix-là, il va falloir les faire, parce que sinon, ce sont les familles et les travailleurs qui payeront. Et ça, on ne l'accepte plus, parce qu'on ne tire pas sur une ambulance, surtout quand on lui a déjà retiré 3 pneus. Merci, Madame de Smet. Alors, tis nu de beurt aan meneer Dominique Lotenstaal voor de Vlaams Belang-fractie. Dank u wel, dank u, meneer de voorzitter, collega's, achterleden van de regering, slash het Verenigd College.
We bespreken hier vandaag eigenlijk de eerste echte begroting van de nieuwe coalitie. En het mag wel gezegd worden, een indrukwekkende ommezwaai ten aanzien van het decennia lang gevoerde rode beleid is dit niet. De groene ministers maken geen sterke indruk, maar laten zich wel opvallen door rommelig beleid en provocaties. En ik heb de indruk dat de mayonaise ook niet echt pakt. De groene saus die over het rode beleid werd gegoten, doet in feite een smakeloos kleurtje verschijnen. Bovendien heeft menig observator de indruk dat de Brusselse regering de confrontatie zoekt om de eigen interne problemen te verdoezelen. De regering heeft zich nog meer dan vroeger al het geval was opgesloten in de ivoren toren van het eigen grote gelijk en is alle voeling met de werkelijkheid rondom zich verloren. Dat zien we voornamelijk in de ontwikkeling van het begrotingstekort en de schuldopbouw. De uitstaande rechtstreekse schuld zou tegen eind 2024 verdubbelen tot 10,2 miljard euro. De rechtstreekse schuld zal dan over een periode van 6 jaar verdrievoudigd zijn. Van 3,365 miljard euro eind 2018 tot 10,2 miljard euro eind 2024. Dat in vooropgestelde scenario's de renteaflossingen niet in het gedrang dreigen te komen, is eigenlijk een magere troost. En ook het schuldbeheer is in goede handen. Maar men vergeet dat deze exponentiële stijging zeer verontrustend is. Vooral omdat Brussel zeer sterk afhankelijk is van externe factoren en externe financiering. Als het nog zou gaan over productieve investeringen die met schuld gefinancierd worden, dan zou een en ander nog verdedigbaar zijn. Maar zelfs dat is uiterst twijfelachtig. Brussel begeeft zich op het Griekse pad. Alle remmen los. Naast de klassieke overdrachten vanuit de federale kas, die vooral, dat weten we, vanuit Vlaanderen wordt gespijst, longt men nu richting Europese Unie, die ook met meer geld over de brug zou moeten komen. Hoe dat allemaal zal verlopen, is nog zeer onduidelijk. En daarnaast wil men een regelrechte overval organiseren op de pendelaar vanuit het omgevende Vlaanderen en vanuit het verder liggende Wallonië. Maar ik kom daar straks nog op terug. Het tekort is aanzienlijk en verschillende collega's hebben er al over gesproken en de truc om 1/10 van het budget buiten de begroting te houden, overtuigt allerminst. De investeringen in de tunnels zijn geen eenmalige buitengewone investering die een plotse economische meerwaarde zouden creëren, maar zouden bij elk normaal bestuur onder renovatie en onderhoud moeten vallen. En eigenlijk hadden ze dat jaren geleden al moeten doen, maar dat is niet gebeurd. Geen enkele objectieve waarnemer is overtuigd van deze constructies. Het verborgen tekort loopt op en een economische injectie is er amper. Maar er is natuurlijk het excuus van COVID-19 om tekorten en een schuldexplosie goed te praten. Dat binnen het land met het grootste aantal COVID-doden het Brussels gewest alle trieste records heeft gebroken, daar wordt wijselijk over gezwegen. Het grote drama is dat deze moeilijke situatie door de regering op een schaamteloze wijze als bliksemafleider wordt gebruikt, zeg maar misbruikt. Het mobiliteitsbeleid is een van de belangrijkste hefbomen van het gewestelijk beleid met een grote impact op het dagelijkse leven en de economie. Dat de regering volgend jaar liefst 1,4 miljard euro spendeert aan mobiliteit is niemand ontgaan. Dat Brussel reeds decennia lang kampt met mobiliteitsproblemen en daardoor een aantal economische uitdagingen en leefbaarheidsproblemen heeft, is een open deur intrappen. Maar of deze moeten worden aangepakt op de manier waarop men dat met de stadstol smart move wil doen, dat lijkt ons allerminst de beste move. Het is geen slimme zet om op een verbeterde, haast doctrinaire manier het conflict op te zoeken met het ommeland. Dit bevestigt enkel de wereldvreemde eilandmentaliteit die in ons hoofdstedelijk gewest wortel heeft geschoten. Een analyse, geachte leden van de regering, die door vele waarnemers
wordt gedeeld. De plannen roepen bij een groot gedeelte van de Brusselaars weerstand op. Vooral bij die mensen die in de ruimtelijke wanorde van de Brusselse agglomeratie hun auto nodig hebben om hun gezinsleven georganiseerd te krijgen en om te werken. Actieve mensen die niet de tijdsmarge hebben om het openbaar vervoer te gebruiken of niet de financiële middelen hebben om te verhuizen naar de meest optimale locatie. Ook de zelfstandigen, die door de verplichte sluitingen reeds het grootste slachtoffer zijn van de gezondheidscrisis, krijgen het zwaar te verduren. Bovendien dreigen de plannen ons hoofdstedelijk gewest in een lang conflict te storten met onze partners. Als de plannen al ooit werkelijkheid zullen worden, want er zijn ernstige juridische struikelblokken. En daar komt bovenop het menselijk aspect. Meneer de minister, minister Gats, ik kijk ook en bijzonder misschien naar u. Dagelijks komen vanuit Vlaanderen en vanuit Wallonië mensen naar hier het beste van zichzelf geven om als leerkracht in ons onderwijs onze kinderen les te geven en op te voeden. Dagelijks komen mensen vanuit Vlaanderen en Wallonië om hier hun leven te riskeren bij politie of brandweer. Dagelijks komen mensen vanuit Vlaanderen en Wallonië hier in Brussel in rusthuizen voor onze ouderen zorgen, in ziekenhuizen voor onze zieken zorgen. En dit, na een bijzonder zwaar coronajaar, krijgen zij als bedankje daarbovenop de mededeling dat ze binnen een paar jaar meer dan een maandloon zullen moeten afgeven om hier nog te mogen komen werken. Denk daar eens aan na. Ik geloof niet, meneer de minister-voorzitter, dat dit een systeem is dat werkt. Ik garandeer u, die mensen zullen wegblijven. Achter collega's, het dreigt een rode draad te worden in dit beleid, vooral in het mobiliteitsbeleid. Een rode draad dat het kwetsbare imago van het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest, dat financieel en economisch sterk afhankelijk is van de partners en in de eerste plaats het Vlaams Gewest, dat dat imago grote schade oploopt. Men wil wensdromen opleggen zonder de noodzakelijke voorwaarden op het terrein te realiseren, zonder de infrastructuur aan te passen. Het resultaat zijn conflicten en onzekerheden. En daar, dat weet u wellicht, daar zit niemand op te wachten. Terecht wordt geïnvesteerd in lijnen en voertuigen voor de MIVB. Maar of dit op de meest doordachte manier gebeurt, dat zal moeten blijken. Bovendien blijft veiligheid op het openbaar vervoersnet nog steeds een zorgenkind. En dit heeft voor de regering blijkbaar geen prioriteit. Het voornemen om het openbaar vervoer gratis te maken voor min 25-jarigen lijkt sociaal, maar men gaat daarbij voorbij aan de realiteit dat voor gratis diensten meestal weinig respect wordt betoond. Bovendien zijn de financiële implicaties nefast. Het Vlaams Belang wil een goed functionerend openbaar vervoer waar stiptijd, veiligheid en netheid primeren. Met minder moeten de Brusselaars en de vele bezoekers van onze stad niet tevreden zijn. Het aanpassen en vergroenen van straten en pleinen moet de leefbaarheid in de stad verhogen en dat is goed. Waar echter het meest winst kan geboekt worden op het vlak van leefbaarheid, namelijk de netheid, wordt te weinig initiatief genomen. De regering weet dat het agentschap Net Brussel eigenlijk helemaal op de schop moet en een grondige herstructurering moet krijgen. Zwak leiderschap, een beetje de Brusselse ziekte, iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk, doet de Brusselse netheid de das om, maar er gebeurt niets op dat vlak. Op alle vlakken is onderhoud en netheid een probleem. Men legt fietspaden en fietssnelwegen aan, maar men vergeet een ernstig onderhoudsplan, zodat afgevallen bladeren, zwerfvuil en overhangende takken een gevaar voor de gebruikers vormen. Indien men mensen wil laten overstappen op andere vervoersmogelijkheden en de stad toch bereikbaar wil houden, moet men tevens volop inzetten op parkeermogelijkheden, zowel van auto's als van fietsen. Maar ook daar blijft het beleid achterwege en heeft de meerderheid geen antwoord op de uitdagingen die zich stellen. Vele gewestelijke agentschappen zijn uitgegroeid tot loutere tewerkstellingsmachines. Dat moet anders. Dienstverlening aan de bevolking moet opnieuw centraal staan.
Maar deze operatie is bij lange na nog niet gestart. Ook daar denk ik dat de grote regeringspartijen zich in hun eigen stellingen hebben ingegraven en komen ze niet verder dan elkaar wat te zitten beloeren en bekijken. Ondertussen duikt bij de agentschappen de ene na de andere onvolkomenheid of onregelmatigheid op. De Brusselaars verdienen beter. Wie in Brussel leeft of werkt, of wie Brussel bezoekt, moet niet enkel een vlot, bereikbare, mooie stad kunnen beleven, maar moet zich ook in een veilige stad kunnen bewegen. Stelselmatig kreeg het hoofdstedelijk gewest een aantal bevoegdheden om het veiligheidsbeleid te kunnen aanpakken. Het is niet de bedoeling dat gemeenten en gewest elkaar voor de voeten lopen, maar wel dat de synergieën worden versterkt. Dat versterking van opleiding en verbetering van uitrusting gezamenlijk wordt aangepakt. En dat de echte prioriteiten in het veiligheidsplan komen en beter worden benadrukt. Dat er met één stem gesproken wordt met justitie en met binnenlandse zaken, maar vooral dat van integrale veiligheid en het integreren van veiligheidsbeleid in alle bevoegdheidsdomeinen van het gewest effectief werk wordt gemaakt. De subcultuur van misdaad en geweld rond drugshandel en mensensmokkel, het zwarte economische circuit in al zijn facetten, het islamistisch extremisme, al die fenomenen die ook dikwijls met elkaar verweven zijn en waarvoor Brussel over de ganse wereld jammer genoeg berucht is, dat verstikkende net dat onze stad gevangen houdt, moet worden aangepakt. Dat verstikkende net houdt sociale en economische ontwikkeling tegen en weegt zwaar op de leefbaarheid van vele wijken. Wanneer je de problemen niet benoemt, kan je ze niet aanpakken. En om dat aan te pakken is coördinatie nodig. En een gezicht dat dit beleid gestalte geeft en stimuleert. Maar net dat, meneer de minister-voorzitter, ontbreekt. We mogen al blij zijn dat een aantal voorstellen die ter sprake kwamen tijdens de discussies over de relatie burgerpolitie en het veiligheidsplan zullen worden opgenomen. Vreugde alom blijkbaar. Om het eigen falen te verdoezelen, tracht deze coalitie ook in de gemeenschappelijke persoonsgebonden bevoegdheden met geld te strooien. De gezinsbijslagen worden gul uitgedeeld, zonder dat ouders gestimuleerd worden om hun verantwoordelijkheden te nemen in situaties waar jonge mensen ontsporen. We moeten jongeren uitleggen wat brandweer en politie doet, heet het. En dat wordt dan op een zeer voluntaristische manier gesteld. Ja, doe dat, maar zorg ook voor een mogelijke sanctie via de gezinsbijslagen wanneer ouders hun verantwoordelijkheden verzuimen. Belonen bij slecht gedrag is contraproductief. Dat kan iedereen met gezond verstand begrijpen. Overigens blijft het een open vraag waarheen dit gulle beleid op het vlak van gezinsbijslagen ons financieel zal leiden. De voorziene middelen volstaan niet en geld wordt via het gewestelijk overhevelingsmechanisme bijgepompt. Zonder een economisch zelfredzamer Brussels hoofdstedelijk gewest is dit, meneer de minister, een wurgstrategie op langere termijn. Dat er meer aandacht is voor het zorgaspect voor ouderen is een goede zaak. Meer zorgbedden in de rusthuizen, meer thuiszorg om de mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten, is ook een aandachtspunt van het Vlaams Belang. En ook dat zorgberoepen beter financieel worden beloond, is voor ons een belangrijk thema. Maar de structuren die daarvoor moeten zorgen, blijven een zorgenkind waar een goede organisatie en een kwaliteitsvolle tweetalige en meertalige dienstverlening ontbreekt. Ook op dat vlak zijn we nog ver af van een beleid dat een hoofdstedelijke en internationale omgeving waardig is. Van het Vlaams Belang pleidooi om in alle domeinen veiligheid, zorgzaamheid en leefbaarheid van al die zaken voorop te stellen, zien we in deze ganse begroting weinig of niet genoeg dan toch terug. En ook het meerjarentraject voorspelt weinig goeds. Het blijft aanmodderen in structuren en improviseren in de openbare ruimte. Een omslag in het beleid zien we niet, enkel een versterkt terugplooien op het eigen eiland en het opzoeken van misplaatste confrontatie
om de eigen interne cohesie kunstmatig op te peppen. Maar dit, geachte leden van de regering, kan niet verhullen dat ons Brussel zo stedelijk gewest gevangen zit in een impasse van onderling electoraal opbod. Ons Brussel, onze Brusselaars verdienen beter. Ik dank u. Dank u wel, meneer Lotus. Nous passons maintenant la parole au chef du groupe de Écolo, monsieur John Putzès. Oui, monsieur le ministre-président, monsieur le ministre, monsieur le président, chers collègues. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Vous connaissez la chanson « Bruxelles parle d'une ville dont le souvenir résiste, trop tangible pour avoir été rêvé, mais trop chatoyant peut-être pour que cette Bruxelles-là ait tout à fait existé. » Et c'est de cette Bruxelles-là dont il faudra parler aujourd'hui. Une ville dont nous gardons tous le souvenir, rencontres, pavés, théâtre, coiffeurs, café, un souvenir vécu, bien réel. Un souvenir mélancolique et un peu avide aussi, car la Covid nous a frappés et continuera à nous frapper durant les mois qui viennent. Elle nous rendra malades, elle nous privera de nos proches. Et les mesures qui devront nécessairement être prises pour limiter son impact auront des conséquences sur les emplois et sur la vie sociale de celles et ceux qui nous entourent. Et un souvenir parfois flatteur, enfin, car Bruxelles ne chante pas toujours. Et si nous faisons de la politique ensemble dans cet hémicycle, c'est parce que nous savons que les difficultés que la ville rencontre sont à la mesure des rêves qu'elle suscite en nous. Nous voulons nous retrouver toutes et tous bientôt dans une ville dont nous aimons la diversité et les rues bondées, en sachant toutefois que la ville n'appartient pas à tous de la même manière. Alors je me réjouissais il y a 2 semaines que nous discutions ensemble du budget de l'année à venir. Dans des circonstances infiniment particulières, celui-ci doit nous permettre, ce n'est pas une question d'agrément mais de nécessité, de quitter le répertoire de la mélancolie musicale, de faire face au présent et de construire l'avenir. Les travaux budgétaires ont débuté en novembre par l'audition de la Cour des comptes et la discussion des agrégats, de la dette de la région et de ses charges. Le budget de la région pour 2021 s'élève à 6,5 milliards d'euros, son déficit prévu s'élève à 1,9 milliard d'euros et près de 900 millions d'euros après correction budgétaire. Le gouvernement estime que les recettes pour 2021 seront inférieures de plus de 300 millions à ce qu'elles furent en 2020. Il prévoit un retour à l'équilibre budgétaire pour 2024 avec un budget pluriannuel dans lequel le gouvernement a toutefois décidé de maintenir des investissements stratégiques en matière de mobilité, de logement, de climat, à hauteur d'environ 500 millions par an jusqu'à la fin de la législature. Ce sont des chiffres importants qui suscitent rapidement 2 réflexions apparemment opposées. La première consiste à dire que ce déficit est tel, au fond, que sa justification est, au fond, superflue. Et la seconde consiste à dire que les dépenses exceptionnelles que nous consentons à cause de la pandémie ne sont justifiées que parce qu'elles sont exceptionnelles. Et ces 2 réflexions sont trivialement vraies et donc trivialement fausses. D'une part, les circonstances que nous vivons sont exceptionnelles et requièrent donc un soutien politique exceptionnel. La crise sanitaire n'est pas une sorte de fléau de Dieu justifiant arbitrairement un surcroît d'injustice, sa survenance demande au contraire un surcroît de solidarité. Et d'autre part, penser aux générations futures, ce n'est pas simplement ni même essentiellement promouvoir l'orthodoxie budgétaire. Les dépenses que nous consentons sont des investissements. Ces investissements se justifient car ils permettent à celles et ceux qui nous suivront de disposer des ressources et des infrastructures nécessaires pour faire face aux défis environnementaux, urbains, sociaux qui continueront de se présenter à Bruxelles. Au final, l'ensemble des choix politiques que nous faisons doivent faire face à 2 exigences terribles, résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui et permettre que ceux qui nous succèdent puissent faire de même. Et cela a pour nous 2 implications. Premièrement, les choix que nous faisons doivent chercher l'adhésion. Pour cela, il y a une mauvaise manière de faire. Se comporter comme des instituteurs, imposer le silence et prétendre, on utilise parfois cette expression, faire de la pédagogie vis-à-vis des citoyens. Et puis nous pensons qu'il y a une bonne manière de faire, susciter la confiance du plus grand nombre en créant des lieux où il est possible de discuter et où la parole des citoyens est respectée, à défaut d'être forcément suivie puisque nous sommes en démocratie représentative. Puisque les choix que nous faisons valent pour aujourd'hui et pour demain, ils doivent être faits le plus démocratiquement possible.
via une relation étroite et honnête avec les associations, avec les interlocuteurs sociaux, avec les acteurs de terrain, bref, avec tous ceux et celles qui font vivre notre région, la participation du monde associatif à la vie politique est cruciale. Nous sommes plusieurs au sein de cet hémicycle à être issus de ces associations. Nous savons au sein du groupe écologiste à quel point elles connaissent le terrain. Nous savons qu'elles nous regardent et qu'elles nous critiquent parfois. C'est très bien comme ça. Elles nous alertent et nous inspirent. La région doit soutenir, et elle le fait, leur capacité d'action et donc s'engager aussi à garantir leur indépendance. Et puis, via aussi la participation directe des citoyennes et des citoyens de notre région, tant sur les éléments généraux de la politique régionale que sur les aspects concrets de sa politique. Outre les avancées importantes engrangées au sein même de ce Parlement, je pense par exemple à l'extension du droit de pétition, bien sûr, et à la mise en place des premières commissions délibératives, on songe aussi au travail qui est fait en matière de participation citoyenne par le ministre Alain Maron, qu'il s'agisse des consultations élaborées dans le cadre du plan climat ou par la création d'un service régional de la participation. On songe aussi aux aspirations de beaucoup de citoyens à être consultés, à être écoutés, notamment dans le cadre de la mise en place des plans d'aménagement directeurs. Il est possible, cela s'est vu, de faire passer des décisions en s'appuyant sur de la participation en carton-pâte, mais le prix élevé pour tous ces aspects de la participation régionale serait élevé dans le long terme. Il mènerait un rejet latent, mais profond et maussade de nos institutions. Et puis, deuxièmement, les choix que nous faisons dans ce budget n'ont pas à opposer le court terme et le long terme. Nos réponses aux défis d'aujourd'hui doivent préparer les défis environnementaux et sociaux de demain. Nous pensons par exemple à la reconversion de notre stratégie de soutien économique ou au budget dégagé en matière de lutte contre la pauvreté et contre le logement précaire. Et en retour, nos investissements pour l'avenir doivent déjà contribuer au déploiement social et économique de notre région. Pensons aux investissements en matière de mobilité ou de rénovation du bâti. L'urgence actuelle, c'est celle de nous donner des perspectives pour sortir de la crise. Mais pour en revenir à ce qui introduisait ma prise de parole, le redéploiement de Bruxelles, ce n'est pas le retour à des Trente Glorieuses passées depuis 40 ans maintenant, consommation tranquille, bétonisation pépère, et doit croiser dans l'espoir que le progrès fasse rage. Il va falloir transformer la ville, et c'est ce à quoi ce gouvernement s'est engagé il y aura bientôt 2 ans. Alors prenons les choses simplement. Transformer la ville, c'est d'abord repenser les endroits où on vit. Nos quartiers, nos rues, nos places, nos parcs. La crise du Covid-21, de la Covid-19, et le confinement ont mis en avant les inégalités territoriales fortes au cœur de la région. 70% des espaces verts se trouvent en périphérie contre seulement 10% dans le centre. Si les quartiers du centre sont les moins pourvus en espaces verts publics, ils sont aussi souvent dépourvus de jardins privés. Les moyens dégagés dans le budget pour la rénovation urbaine vont permettre d'aménager des espaces verts, d'acquérir de nouvelles parcelles, en priorité dans des endroits à forte densité de population, et pour ne citer qu'elles, l'acquisition du marais Wills à Forêt fera place à un projet de gestion durable des eaux pluviales, tout en créant un espace vert dans un quartier densément peuplé, particulièrement bitumisé. Alors transformer la ville, c'est aussi permettre à tout le monde, quel que soit le quartier où l'on vit, d'avoir accès à ces espaces, d'aller au travail sans risquer la crise nerveuse en plein bouchon, sans s'esquinter les poumons à coups de particules fines, d'avoir une ligne de tram ou de bus pas loin de chez soi, d'avoir accès à la plupart des services urbains à distance de marche ou de vélo dans un cadre apaisé. L'injection d'investissements massifs, extrêmement massif dans la mobilité, plus d'un milliard, soit une part très importante donc du budget total de la région bruxelloise, cristallise la nécessité d'apporter des solutions à ces aspirations. Sur cette somme, près d'un milliard d'euros seront directement investis dans les transports en commun via le plan bus et le développement du réseau de tram, la mise en œuvre d'autres mesures phares du projet Good Move, pensons à la ville 30 et au mail apaisé, permettra dans ce cadre de proposer une réponse globale aux enjeux socio-économiques et environnementaux de la mobilité bruxelloise. Dans ce cadre, la politique de mobilité est un des ingrédients qui permettront de concrétiser l'ambition de la région de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1995. La transformation de la ville est une question de justice territoriale, une question d'agrément, mais c'est aussi une question de nécessité pour le climat. Avec un montant cumulé de 400 millions d'euros supplémentaires à dégager d'ici 2024, dont 42 millions dès l'année prochaine,
le budget pluriannuel dote enfin la région d'une véritable trajectoire budgétaire en matière climatique. Une grande partie de ce budget est destinée à la stratégie de rénovation du bâti. Et ici encore, les enjeux sociaux, environnementaux et économiques sont intimement liés. La rénovation du bâti bruxellois nécessite que tous les publics y aient accès en bénéficiant d'un accompagnement adapté. Cela passera par le renforcement du service Home Grid et des moyens de la Fédération des services sociaux et des CPS pour lutter contre la fracture énergétique. En plus de renforcer de 10 millions d'euros le système de primes, le gouvernement prévoit une attention particulière à l'accompagnement des ménages, dont les plus précaires, via notamment l'élargissement de la prime bruxellaire. Nous en sommes satisfaits. Qu'il s'agisse de notre politique environnementale ou de notre politique de mobilité, la transformation de la région n'est donc pas une affaire de pierre, d'arbres, de plans directeurs. C'est d'abord une transformation de nos conditions de vie. La première vague de l'épidémie et le premier confinement ont suscité une prise de conscience sur les fonctions essentielles de notre système économique, sur la nécessité d'un tissu économique ancré dans notre territoire, reposant sur les travailleuses et les travailleurs et au service des besoins réels de notre société. La recapitalisation de Finance Brussels à hauteur de 130 millions d'euros, 160 millions d'euros d'ici la fin de la législature, est une pierre angulaire dans l'engagement de notre région en matière de transition économique. Pour les investisseurs, Finance Brussels sera une plateforme solide, mais aussi une plateforme repeinte à neuf et en vert, qui permettra de soutenir l'activité économique ici et maintenant, de la soutenir de telle sorte qu'elle puisse prendre en compte les limites de notre environnement et se réorienter notamment vers une production plus localisée ou vers la création de biens et de services moins polluants. Et la soutenir enfin, cette activité économique, par des objectifs sociaux qu'elle se fixe ou par des conditions de travail qu'elle garantit, pour qu'elle bénéficie le plus possible à celles et ceux que l'économie classique laisse d'habitude sur le bord du chemin. Et en effet, cette Bruxelles à laquelle nous aspirons doit appartenir à tout le monde. Il faut donc que tout le monde s'y regarde sur pied d'égalité. Ce n'est pas toujours le cas d'ordinaire, c'est encore le moins le cas depuis quelques mois. La crise a révélé et parfois amplifié les inégalités entre les citoyens de notre région selon leur genre, leur origine ethnique et sociale, leur situation économique, leur niveau de qualification. Et selon leur âge aussi, car nos aînés ainsi que les jeunes ont particulièrement écopé ces derniers mois. Au printemps, le virus n'a pas pu occulter la vague d'indignation suscitée par la mort de George Floyd aux États-Unis, éclairant là-bas, mais chez nous aussi, les violences policières commises à l'encontre des personnes racisées. Au-delà de ces faits brutaux, le racisme et les discriminations sont d'abord un poison quotidien, sans doute peu sensible pour ceux qui, comme moi peut-être, n'en sont pas victimes et qui se sont dit un jour qu'il devrait suffire de serrer les dents pour que ça passe. Les Bruxelloises et les Bruxellois doivent pouvoir se rendre un entretien d'embauche, doivent pouvoir louer un appartement, doivent pouvoir marcher dans la rue, doivent pouvoir interagir avec les autorités publiques, doivent pouvoir exprimer leurs opinions dans un café ou sur les réseaux sociaux sans qu'ils, sans qu'elles, ne soient réduites aux préjugés que nous pourrions avoir sur leur origine, sur leur genre, sur leur sexualité, sur leur religion. Le budget régional dédié à l'égalité des chances augmente cette année de 50%. C'est une augmentation indispensable et c'est le signe, nous le pensons, que le gouvernement a pris la mesure du problème et de son urgence. Mais la lutte pour l'égalité des chances ne doit pas nous aveugler. L'égalité des chances ne suffit pas à produire une société meilleure et plus vivable. François Dubel écrivait « Il est plus facile de dégager une élite que d'améliorer le sort des perdants. Il est plus facile de distinguer quelques meilleurs que de promouvoir les plus faibles. » Et aujourd'hui, il semble plus aisé de promettre aux enfants d'ouvriers qu'ils échapperont à leur destin social s'ils le méritent, au terme d'une compétition dure, certes, mais équitable, que d'améliorer les conditions de vie et de travail des plus désavantagés. D'une part, la justice demande de lutter contre la pauvreté et contre la marginalisation sociale, ce sont les deux faces d'une même pièce. Le gouvernement déploie les moyens nécessaires pour permettre que chacun ait un recours effectif, ou en tout cas ait davantage de recours effectif aux droits dont il bénéficie. Le budget augmente les moyens alloués au CPS, une augmentation de plus de 3 millions d'euros pour un budget de 38 millions en 2021. Enfin, l'augmentation des budgets dédiés à la lutte contre le sans-abrisme en 2021, près de 10 millions d'euros en tout, c'est une augmentation de 4,5 millions d'euros, montre la volonté du gouvernement de pérenniser les dispositifs d'urgence mis en place avec détermination pendant la crise, mais aussi de marier une logique de secours à la recherche de solutions structurelles,
pour améliorer les conditions d'accueil des sans-abri et leur donner la possibilité de trouver un logement durable. Et d'autre part, il n'y a pas de lutte contre la précarité sans lutte pour l'égalité. Bien sûr, il convient de saluer le rôle joué par Erisker en matière de politique de santé. Mais la pauvreté à Bruxelles, c'est aussi le mal logement et la précarité financière des ménages face au coût de leurs habitations. La pandémie a jeté une lumière crue sur les inégalités en matière de logement et sur les carences du marché immobilier bruxellois. Les ménages bruxellois les plus pauvres, ceux qui touchent moins de 2000 euros net par mois, dépensent en moyenne 40% de leur budget en logement. C'est énorme. Et il est certain que l'appauvrissement dû à la crise rendra encore plus compliqué l'accès de Bruxelloises et de Bruxellois à un logement décent. Nous serons attentifs à ce que 2021 comporte son lot d'avancées en matière de lutte contre les loyers abusifs. Par ailleurs, 50 000 ménages sont en attente d'un logement social. On se réjouit infiniment de l'augmentation massive du budget dédié au logement, plus de 15% en 2021, comme en 2020, et de la volonté affichée du gouvernement de prendre le problème à bras-le-corps. 425 millions d'euros supplémentaires consacrés au logement d'ici la fin de la législature, dont 170 millions pour les politiques nouvelles prévues dans le plan d'urgence logement. Nous saluons l'accélération annoncée de la mise en œuvre de ce plan, tant pour la construction et l'acquisition de nouveaux logements que pour l'intensification et la rénovation des logements existants. L'entreprise sera bien sûr plus compliquée si certaines communes refusent avec obstination de construire des logements sociaux sur leur territoire afin de ne pas affecter le standing des alentours. Vivre à Bruxelles, enfin, c'est aussi y travailler et exercer une activité structurante. Or, nous le savons, la crise économique qui s'annonce sera profonde. Elle va mettre à mal de nombreuses personnes qui ont investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans des activités qui font vivre notre région. La région et le fédéral ont fait beaucoup pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs pendant la crise. Ces derniers mois nous ont montré à quel point les institutions de la sécurité sociale sont précieuses. Mais nous savons aussi que de nombreuses personnes se retrouveront sans emploi. Les scénarios les plus pessimistes estiment à 30 000 le nombre de chercheurs d'emploi supplémentaires sur le marché du travail bruxellois après la crise. Alors, pour soutenir l'emploi, le gouvernement mise sur l'accompagnement et le renforcement des compétences. L'indemnité de formation passera en 2021 de 1 euro à 2 euros l'heure et permettra aux chercheurs d'emploi les plus précaires de mieux subvenir à leurs besoins pendant la période de formation. Mais sur ce point, je suis d'accord avec le PTB, cela ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a dégagé 53 millions d'euros afin de miser sur le soutien à l'embauche, notamment via une prime pour les employeurs qui recrutent des Bruxellois au chômage. Et sans doute que cela ne suffit pas encore. C'est la raison pour laquelle nous insistons, et nous avons bon espoir que ça se passe, pour que les chômeurs de plus longue durée ne soient pas oubliés et que des initiatives comme les territoires zéro chômeur soient aussi lancées et que donc les chômeurs de longue durée ne soient pas oubliés. Et enfin, peut-être que ça ne suffit pas encore. Et donc soutenir les travailleurs et les entrepreneurs malmenés par la crise nécessitera de reconstruire, en concertation avec les interlocuteurs sociaux, un tissu économique fort, créateur d'opportunités et ancré sur notre territoire. Le plan de relance européen vise justement à soutenir les États membres dans cette entreprise. L'enveloppe belge s'élève à plus de 5 milliards d'euros à répartir entre les différentes entités de notre pays. Les régions et donc la région bruxelloise, Monsieur le Ministre-Président, joueront un rôle clé dans la relance. Nous encourageons le gouvernement à plaider dans ce sens pour que les moyens européens puissent venir appuyer la dynamique déjà engagée. Alors, concluons peut-être en compagnie de qui, avec qui nous avons débuté. Et donc de quelques mots de Jacques Brel peut-être de nouveau. La vie ne fait pas de cadeaux et nom de Dieu, plus ou moins ces mots, c'est triste Bruxelles le dimanche. Et ailleurs, la pluie est traversière, elle bat de grain en grain, et par manque de brise, le temps s'immobilise. Mais Brel reprend, gémir n'est pas de mise. Ce budget ne promet pas des lendemains qui chantent, nous le disions déjà il y a un an et demi, mais nous y trouvons un cap. Nous y trouvons même un cap courageux, un cap solidaire, un cap qui peut transformer notre ville. Infirmiers et infirmières, programmateurs de salles, étudiants, retraités, sans emploi, sans toit, piétons, parents, les Bruxelloises et les Bruxellois nous regarderont. Ce regard nous oblige. Il oblige le gouvernement, il nous oblige nous au sein de ce Parlement. Nous avons une responsabilité redoublée de faire notre boulot correctement, sérieusement, en n'oubliant jamais que les mots n'ont pas seulement du poids, mais un sens.
Dans 3 jours, les jours rallongent. Ça fait un peu de lumière. Saisissons-nous de chacune des minutes qui nous sont données pour celles et ceux qui souffrent maintenant et pour ceux et celles qui viennent de naître. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pitsès. Vous êtes resté tout juste dans les 20 minutes qui vous étaient allouées. Alors, la parole est à Madame Carla De Jonge. Het woord is aan u. Meneer de voorzitter. Beste collega's, ik zou een opsomming kunnen maken van de thema's en de initiatieven in deze begroting die bij onze fractie in de smaak vallen. Wees gerust, ik ga dat niet doen. We hebben een goede maand in commissie met de bevoegde minister zeer intens van gedachten kunnen wisselen en de hele begroting werd missie per missie grondig doorgelicht. Net zoals vorig jaar ga ik het hebben over de schuld. Ik ga niet goochelen met cijfertjes en scenario's om indruk te maken, dat hebben anderen al gedaan. De cijfers staan helder in de nota van het agentschap voor de schuld, een nota en uiteenzetting van een uitzonderlijke transparantie. In commissie en ook 2 weken geleden werd hier in de plenaire wat die toenemende schuld betreft de indruk gewekt dat er 2 kampen zijn binnen de Brusselse politiek. Er zouden allereerst de politici zijn die zich ongerust maken, die aan de alarmbel trekken, die de regering waarschuwen, die duidelijk maken dat we aan de rand van de afgrond staan qua schulden en qua verhouding van de schuldaflossing ten aanzien van de voorspelde economische groei. En vooral dat als we aan de rand van de afgrond nu met bijkomende schulden een stap vooruit zetten, dat we recht het ravijn ingaan. De Brusselse variant op de apocalyps. En dan zouden er de gerustgestelden zijn, de eeuwige optimisten. Het kamp van de politici die fluitend op de deuntjes van tout va bien, madame la marquise, verder doen alsof dat er helemaal niks aan de hand is, terwijl het kot in brand staat. Het politiek debat moet het jammer genoeg vaak hebben van die karikaturen. Het zou de ideeën op scherp stellen. Ik ben daar niet van gediend. Daarom gebruik ik graag mijn spreektijd om die terecht te zetten. En zo staat het ook duidelijk in het verslag. We zijn realisten als het op budgettair beleid aankomt. En politiek zijn liberale hervormers. Wij prediken geen apocalyps en geen revoluties. Maar we zoeken naar compromissen die we via beleid uitvoeren binnen het haalbaar financieel kader dat voorhanden ligt. Dat compromis is het DPR, het regeerakkoord, dat we in deze begroting in cijfers vertaald zien. Een jaar geleden hebben we bij de opmaak van de begroting 2020 al aangegeven waarom we de strategische investeringen steunen. Waarom we vinden dat in tijden van lage rente die keuze moet gemaakt worden. Nu meer dan ooit brengen investeringen op. We moeten investeren gekoppeld aan een strenge monitoring van de lopende begroting. Nu, een jaar later, heeft de actualiteit hier, maar ook overal natuurlijk, de kaarten grondig door elkaar geschud. We hebben aanzienlijke bijkomende schulden moeten aangaan, buiten de DPR-afspraken, om de menselijke, sociale en economische gevolgen van de crisis op te vangen. Hier en elders werd dit gedaan om het sociaal en economisch weefsel overeind te houden, met het oog op een relance. Die schuld nemen we er bovenop. Maar de nood aan strategische investeringen is daarom niet afgenomen. Integendeel, ze zijn meer dan ooit nodig. Zelfs de grootste sceptici van dit beleid zijn er adepten van geworden. Vlaanderen, Wallonië en België moeten hetzelfde doen. Heel Europa. De EU moedigt dit aan met de Europese clausule voor herstel en veerkracht. Het herstel van de crisis en de bijkomende investeringen zorgen voor bijkomende schuld. Die zal fors toenemen tot 2023 en dan geleidelijk weer afnemen. De vragen zijn: is deze schuld beheersbaar? Uit de uiteenzetting van het agentschap van de schuld bleek helder en duidelijk van ja, ze is beheersbaar. Het agentschap spreekt zich niet uit of dit goed of slecht is, maar zegt wel dat het beheersbaar is. Zijn de geplande investeringen groeibevorderend? Zijn het productieve, doelmatige investeringen?
Een groot deel gaat naar het vergroenen van de mobiliteit en is absoluut groeibevorderend. Als we vandaag niet zoeken naar economische groei door groene hervormingen in onze economie, dan weet ik niet wanneer we het wel gaan doen. Bovendien, zelfs in de meest ongunstige scenario's, overstijgt volgens alle modellen de groei de lasten. Tot slot, meer technisch, is er ook de vraag of de aard van de schuld, de termijnen van aflossing, de liquiditeitsnoden van het gewest onder controle zijn. Dat was zeer helder. Het schuldbeheer is state of the art in Brussel, met een uitzonderlijk laag risicoprofiel. Maar toch hoor je mij geen hoera roepen. We blijven alert. Niet gealarmeerd, dat laten we aan de paniekzaaiers, maar wel alert. We blijven hameren op budgettaire rigueur over de hele lijn. Het is ook daarom dat we telkens opnieuw hameren op de aangekondigde spending reviews in mobiliteit en huisvesting, op een permanente monitoring van de begroting en op het creëren van interne marges binnen elke bevoegdheid. Elke minister moet nieuwe uitgaven intern compenseren, zoals de regering trouwens loyaal en collegiaal deed voor financiering van de relancemaatregelen 2020. Enkel zo komt de ruimte voor nieuw beleid. Dat is de lenteschoonmaak, het wieden en snoeien, dat ik blijf bepleiten. We blijven alert. En net als onze collega's in Vlaanderen en Wallonië, zijn wij ons ook bewust van de ernst van de situatie. Maar deze regering, na een heldere en transparante communicatie, zonder meer karikaturaal afschilderen als freaks die zorgeloos, zonder verantwoordelijkheidszin smossen met de centen, dat is politiek en intellectueel oneerlijk. Het is bij monden van collega's wiens partijen gelijkaardige beleidsverantwoordelijkheid dragen in andere regeringen ook bijzonder ongeloofwaardig. Ik wil heel kort toch iets zeggen over mobiliteit, de metro, de fietspaden, het Maas en zelfs Smartmove. We hebben nood aan plannen die onze mobiliteit herzien. Angst is een slechte raadgever. We zijn niet bang van hervormingen. Liberalen zijn hervormers en we gaan de debatten niet uit de weg. Ik had het ook nog willen hebben over 5G, Smart City, over tewerkstelling, meertaligheid en economische transitie, over welzijn en gezondheidszorg. Maar mijn collega Khadija Zamora gaat hierop inpikken. Ik stond erop om in naam van onze fractie de puntjes eerst op de i te zetten met betrekking tot de ernst waarmee deze ploeg werkt. We zullen deze begroting steunen en stemmen. Voor onze fractie vertaalt ze de hervormingen zoals afgesproken in het regeerakkoord. Het is evenwichtig en berekend. Er is een meerjarenvisie die becijferd is. Er is perspectief. Er is een permanente monitoring en begrotingsdiscipline. Er is een alerte trésorier. En mocht ik het in termen van het verenigingsleven stellen, zou ik zeggen, het bestuur komt met een mooi plan voor de werking en de kas is in goede handen. En dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Khadija. Dank u wel, mevrouw De Jonge. Wij gaan over naar de collega's in videoconferentie, mevrouw Zamouri. Dank u wel, meneer de voorzitter. U kan mij goed horen? Ja. Hallo. Ja, mijn beeld valt hier soms weg. Ik hoop dat u mij goed kan horen. Wij zien u en wij horen u perfect. Gaat uw gang. Wij zien u perfect. Gaat uw gang. Oké, perfect. Wij zien. Klein momentje, sorry. Het is. Oké. Ja, dus zoals collega De Jonge net heeft gezegd, namens onze fractie zeer helder en duidelijk aangegeven, dat we qua budgetair beleid realisten zijn, collega's. En ik voeg daar ook wel een laagje aan toe. Onze begroting die berust op een geraamde economische groei. En zo gaat dat ook. Ook wat betreft, is onze fractie eigenlijk klassiek geschoold en heel realistisch. Nu wijs ik heel graag naar de grote investeringen en hervormingen in de mobiliteit die ons economisch weefsel duurzaam en competitief houden.
En dat moet houden. Het Maas, het openbaar vervoer in al haar aspecten. De metro, de tunnels, Smart Move ook. En dit is belangrijk. Dit is belangrijk voor het soort groei dat we nodig hebben. Nu, staatssecretaris Trachten heeft in de commissie heel goed aangetoond hoe ons economisch expansiebeleid telkens gekoppeld is aan duurzame doelstelling. Decarbonisering van onze economie en samenleving. En gericht op circulaire modellen. Nu, het ambitieuze plan voor renovatie van woningen is economisch en ecologisch een absoluut belangrijk project. En daar moeten we op inzetten. Het heeft geen zin om mensen in krotten te laten wonen. Dat is ook niet menswaardig. Nu, de focus op het versterken van lokale en kleinschalige economie is ook van belang. Dat hebben we gemerkt nu met de COVID-pandemie. Het is een meerwaarde. En het bouwt ook verder op de Small Business Act van minister Gozouin. En stimuleert ook creativiteit, innovatie en ondernemerschap in ons gewest. Nu, we zetten belangrijke bijkomende stappen. We hebben het gehad over de nood aan financiering voor ondernemers en de herkapitalisatie van Finance Brussels. De proxyleningen, een zeer sterk concept en instrument en de waarborg van het gewestelijk waarborgfonds. Nu, hopelijk gaat dit allemaal aanslaan. Nu, de actualiteit heeft de nood aan een goede digitale strategie nog versterkt. En er komt nog meer ondersteuning. En in dit kader is de uitrol van 5G belangrijk. Heel belangrijk. Nu, het debat over het kader voor de uitrol zullen we samenvoeren. En we krijgen alvast zeer goede signalen vanuit het federale niveau, bevoegd minister Petra de Sutter, over de vooruitgang op federaal niveau heeft ons toch al positieve signalen meegegeven. En onze regering die werkt er ook aan om binnen de afspraken van de DBR dit in goede banen te leiden. En het parlement zal het debat aangaan. De ministers kondigen ook bijkomende steun aan voor de uitbouw van culturele en creatieve industrie. Superbelangrijk, hebben we ook weer ondervonden nu tijdens deze pandemie. En dit is bij uitstek een groeisector in een stad als Brussel. En de stad, ja, wat is dat? Dat staat gelijk met cultuur en entertainment. En al het economisch leven dat van daaruit uitgaat, voortvloeit zoals de horeca, de hotels, toerisme, voilà, onze stad. Ja, we merken het elke dag, we voelen het ook elke dag hoe belangrijk dat is. En tot slot kan ik ook het voortzetten van initiatieven ter ondersteuning van ondernemerschap enorm appreciëren. Onder andere bij werkzoekenden en zeker ook de genderaanpak naar vrouwen via Women in Business en Women in Tech is zeer belangrijk voor de hele vele alleenstaande vrouwen in ons gewest. Nu, het is duidelijk dat het beleid inzet op de stad en stedelijkheid om uit de crisis te komen. En deze crisis met haar Zoom-cultuur, hè, met zijn ups en zijn downs, het telewerken, delivery shopping, de 1,5 meter social distancing. Ik heb net ook een kerstkaart ontvangen van 1,5 meter. Ik vond het wel heel mooi van het gewest. Ja. Deze heeft de essentie van een stad aangetast. En de stad is nabijheid, collega's. De stad is densiteit, informaliteit en menselijke interactie. Gezelligheid, maar vooral diversiteit als een opportuniteit. Voilà. Hiermee, meneer de voorzitter, sluit ik mijn deel af van mijn speech. Hartelijk dank. Voilà. Hartelijk dank, mevrouw Zamouri. Hartelijk dank. Ja. Ik had begrepen dat u ik zie dat afsloot. Ik zie dat ik nog hartelijk een... dank, mevrouw. Ja, ik zie dat ik nog een beetje tijd heb, meneer de voorzitter. Ja. Toch wel. Wou u nog iets zeggen? Ja. Ja? Dan ga ik verder met mijn speech. Zeggen? Ja, dank u. Ja, ja. Dus ik wil graag eigenlijk verder gaan, aangezien dat ik zie dat ik nog een beetje tijd heb. Ik had het een beetje afgerond. Dat we ons als stad zullen moeten heruitvinden. Hè. We moeten de troeven in een nieuwe context opnieuw proberen in de verf te zetten en uit te spelen. Nu, de steunmaatregelen, en we hebben dat vaak herhaald, hebben ons economisch weefsel beschermd, gelukkig. En in 2021 zullen er nog maatregelen nodig zijn.
De leningen voor de commerciële huur zijn daar ongetwijfeld een nieuw en een belangrijk element bij waar nood aan is. En na deze steun komt ook de relance. En dat is super belangrijk. Zonder enige twijfel hebben we de laatste decennium ook een nieuwe koers ingezet in Brussel. En die transitie is ook bezig. Maar één bedenking wil ik toch wel kwijt. En er werd tijdens de debatten af en toe ook over beignets gesproken, over donuts. Zeer lekker, daar niet van. Maar ook de verwijzing naar een boek en een economisch model. Nu, boeken zijn heel vaak een heel goede bron van inspiratie en theorieën geven inzichten. Maar het zal jullie ook niet verbazen van ons dat boeken zijn zelden of nooit een blauwdruk voor een beleid. Hè? En een te grote fixatie op theoretische modellen is dikwijls ook gevaarlijk. En terwijl we filosoferen en ons laten inspireren door dit en andere goede inzichten, is het belangrijk dat het beleid dat gevoerd wordt en de impulsen die we geven aan de Brusselse economie voldoende innovatie voortbrengen. Ik blijf daarop hameren, ik doe dat ook in de commissie, minister Trachten kan daarvan getuigen, voldoende ondernemerschap genereren en voldoende kwalitatieve groei brengen. En we steunen dit beleid, meneer voorzitter, en de vele aangekondigde initiatieven en wij hopen dat de regering de impact daarvan, ook budgetair en qua innovatie en groei, goed monitort. De donut hè, of de beignet die we bakken moet groot genoeg zijn, zodat iedereen daarvan kan meeeten. En daarmee wil ik besluiten. Economie, hè, collega van MR had erover gesproken, over koken. Economie gaat over het bakken van taarten of van donuts, in mijn geval. Voilà, ik dank u alvast. Dank u wel, mevrouw Zamouri. Zolang men er maar geen soep van maakt, zoals sommigen al eens durven te doen. Goed, alors nous cédons la parole à monsieur De Bock. J'avais une crainte quand je vous voyais rentrer avec tous vos papiers. Merci, monsieur le ministre-président. Mes chers collègues, face à l'urgence, face à l'importance du moment, je voudrais vous remercier et remercier celles et ceux, bourgmestres de nos communes, membres du gouvernement régional, qui prennent et continueront à prendre des mesures pour épargner les plus faibles d'entre nous. Nous avons besoin de mesures de solidarité fortes qui appellent à la responsabilité de chacun, sachant que le sacrifice de certaines de nos valeurs, nos libertés, celles d'aller et venir, de travailler pour certains, sont sacrifiées aujourd'hui au profit de l'unique valeur à protéger, à savoir la vie des plus faibles d'entre nous. Ce sacrifice impose aussi vis-à-vis de tous ceux qui sont en première ligne, les soignants, médecins, enseignants, les forces de l'ordre et j'en passe, une union sacrée et un professionnalisme de chacun de ces moments. Au nom de mon groupe et du fond du cœur, je remercie celles et ceux qui montent au front tous les jours, ceux qui vont travailler la peur au ventre afin d'éviter la saturation de nos hôpitaux, mais aussi d'assurer la chaîne d'approvisionnement et la continuité d'une certaine forme de vie la plus normale possible. Alors aujourd'hui, nous devons être unis dans ce combat. Nous avons besoin de rapidité, de réactivité. Chacun essaye de faire du mieux qu'il peut face à l'inconnu que constitue cette crise inédite. En cela, accorder sa confiance au budget de ce gouvernement n'est pas anodin. C'est un acte politique fort. À l'heure où nous allons passer le réveillon et la fin d'année chacun chez soi, ce budget n'est pas celui du chacun pour soi. Nous sommes dans cette fameuse deuxième vague. Et j'entends depuis 2 ans maintenant l'opposition passer, repasser, re-repasser le même disque. Alors que nous faisons face à une pandémie inédite, on nous reproche à la fois de ne pas dépenser plus pour une relance hypothétique, de ne pas aider plus encore les victimes de la crise, tout en nous faisant le procès de présenter un budget dont les dépenses dépassent les recettes. Entre ceux qui, à gauche, veulent dépenser sans compter, et ceux qui, à droite, veulent compter sans dépenser, il y a une voie médiane. C'est celle qui nous est proposée aujourd'hui. C'est ce chemin pour tenter de sauver l'essentiel. La vie sociale des Bruxellois, la vie économique de nos habitants et celle de nos entreprises. Ce n'est pas la région bruxelloise qui pourra empêcher à elle seule toutes les faillites qu'on nous promet. Mais c'est la région bruxelloise, effectivement, qui fait le plus gros effort, proportionnellement, qui paye le plus gros tribut à cette crise, car notre région représente 15% de l'économie de ce pays et 20% au moins des emplois de ce pays dépendent de la capitale, alors que nos recettes à l'IPP, à l'impôt des personnes physiques, ne représentent qu'à peine 8% des revenus promérités en Belgique. Ah, si seulement, comme dans tous les fédéralismes dignes de ce nom, l'impôt était payé sur le lieu de travail. Si seulement Bruxelles disposait d'une partie des recettes de l'impôt des sociétés,
Ah, si seulement toutes les réformes de l'État successives transféraient pour une fois au moins les moyens qui vont avec les dépenses que nous devons exercer. Alors oui, nous souffrons et nous allons encore souffrir ensemble. Et nous ne pourrons pas gagner autrement qu'ensemble. Bruxelles a toujours été sous-financée. Alors que Bruxelles assure et assume des dépenses sociales et d'infrastructures que sa population ne peut supporter toute seule. Alors on a besoin de tout le monde sur le pont, et c'est dans la tempête que l'on reconnaît le matelot. Ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui, mais aussi ceux qui sont dans l'opposition. Personne n'a raison tout seul, ni ici, ni au fédéral. Mais on se doit d'être cohérent, et on ne peut pas tenir de double discours comme le font certains dans l'opposition. Toutes les régions de ce pays présentent des budgets en déficit. Toutes les régions. Le fédéral ne fait même pas exception. Le MR ne peut pas faire ici ce procès à Bruxelles et s'exonérer de ses propres critiques partout ailleurs où il est au pouvoir, et parfois depuis plus de 20 ans comme au fédéral. Oui, la région bruxelloise a une dette qui croît, qui augmente, sans commune mesure. Mais elle est avant tout, cette dette, le reflet des investissements structurels que nous faisons et maintenons principalement en matière de mobilité, de logement et de soins de santé, et toutes les autres prestations sociales. Elle est aussi le reflet de notre soutien indéfectible aux 19 communes bruxelloises. La dette bruxelloise, et l'opposition y a consacré parfois plus de 2/3 de son temps de parole, est un fait. C'est le résultat de ces investissements successifs. C'est évident qu'on aurait aimé ne pas présenter un budget en déficit, mais il faut m'expliquer alors où et chez qui on va chercher l'argent, ou quels investissements on retarde. Tous les économistes interrogés, les plus éminents conseillers belges et européens vous diront que l'austérité en période de crise provoque encore plus de pauvreté et de rupture des solidarités. Eh bien, ce n'est pas notre choix à Bruxelles. Et ce n'est d'ailleurs pas votre choix au fédéral. Je n'ose croire que certains privilégient des recettes différentes pour soigner les mêmes maux. Il n'y a qu'une question essentielle à cette heure-ci, c'est celle du financement de cette dette bruxelloise et du coût de la dette. Par le travail incroyable que fait l'Agence de la dette, bien différent de celui des autres régions, et on nous l'a expliqué longuement en commission, la charge de notre dette aujourd'hui représente 2% de nos dépenses. Et dans le pire des scénarios, dans 5 ans, elle pourrait, c'est vrai, monter à 3%. Alors certains vous diront, c'est 50% d'augmentation, vous imaginez, augmenter 50% de sa dette, doubler les montants. Oui, mais je vous répondrai que quand on a une petite dette et qu'on la double, effectivement, c'est le principe de la proportion. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est parfois aussi peu. Alors il ne faut pas minimiser cela. Je vous répondrai également que ce petit pourcent, il va sauver des dizaines de milliers de Bruxellois. C'est peut-être trop pour vous. Mais si je compare avec le fédéral, où certains gèrent nos finances publiques et nos investissements depuis si longtemps, la charge de la dette fédérale représente aujourd'hui 13% des dépenses. 13% des dépenses, soit 5 fois plus au fédéral que nous à la région bruxelloise. Je ne suis pas là pour donner la moindre leçon au fédéral, mais j'aimerais que ceux qui ne font pas mieux puissent au moins être plus modestes et plus humbles face à la crise que nous connaissons. Alors, notre budget régional 2021 et celui des années suivantes rencontrent les priorités politiques que Défi avait énoncées dans son programme. Et les débats que nous avons nous montrent les différences d'approche entre la majorité et l'opposition. Premièrement, une nouvelle fiscalité automobile et un investissement massif dans les transports en commun via notamment le projet Smart Move. Cela fait 10 ans que nous le demandions. Nous n'étions pas les seuls. C'est une pièce à casser, vous le savez. La volonté de travailler avec les deux autres régions, une nouvelle fiscalité automobile qui responsabilise intelligemment l'automobiliste et concourt à la lutte contre les embouteillages. Et le corollaire, c'est évidemment d'investir dans la mobilité alternative en offrant des transports en commun, plus nombreux, financés par ces taxes à l'usage. Je suis très déçu de voir que certains à gauche comme à droite ont immédiatement rejeté cette taxe kilométrique intelligente. Je ne comprends même pas que certains refusent que nos infrastructures soient financées au prorata de leur usage et donc de leurs usagers. Face à la mobilité alternative que nous proposons, face aux mains tendues, vous ne nous offrez que le maintien du système forfaitaire, celui-là même qui a concouru à encourager les travailleurs bruxellois à s'établir de plus en plus loin de leur travail. Nous voulons un système plus juste, plus responsable, qui récompense celui qui pollue peu et qui responsabilise celui qui pollue beaucoup. Alors que cette mesure se trouvait dans le programme de certains partis de l'opposition et même dans les écrits de leur tête de liste,
Aujourd'hui, ils hurlent pour se plaindre de faire peser sur le travail une taxe supplémentaire. De la part de certains qui ont augmenté ces 5 dernières années les accises sur l'essence et le diesel de plus de 2 milliards d'euros, retenez bien ce chiffre, 2 milliards d'euros d'augmentation annuelle sur l'essence et le diesel, et cela sans la moindre concertation. Tout cela n'est évidemment pas très crédible. Au fond, le fédéral se goinfre sur les automobilistes. En 5 ans, le fédéral a pompé sur le travail l'équivalent de 10 péages bruxellois. Il serait peut-être temps de ristourner, comme dans les autres fédéralismes dignes de ce nom, une partie de ces accises pour financer, par exemple, les infrastructures que vous nous avez laissées, que vous nous avez régionalisées, ou financer, par exemple, des mesures de transition écologique. Cela se fait en Suisse, par exemple. Pour nous, dans ce débat, c'est la concertation qui est primordiale et la neutralité financière pour les Bruxellois. Cela ne peut être une nouvelle taxe, mais ayons ce débat ensemble. Faut-il, par exemple, en compensation, supprimer la taxe de circulation ? Personnellement, je plaiderais pour la suppression d'une partie de l'impôt des personnes physiques. Ces débats sont essentiels, même au sein d'une majorité. Est-ce que nous pensons, par exemple, qu'il vaut mieux supprimer le droit d'hypothèque plutôt que d'augmenter le plafond d'exonération des droits d'enregistrement ? Et pourquoi ? Tout simplement parce que certains préfèrent aider un peu plus tous les Bruxellois qu'aider beaucoup quelques Bruxellois. C'est pour ça aussi qu'on préfère baisser l'IPP, parce que cela profite évidemment autant aux locataires qu'aux propriétaires. Eh bien, ces débats sont essentiels pour notre démocratie. Nous pensons aussi qu'il ne faut pas augmenter la fiscalité immobilière en ces temps mouvementés sur les droits d'enregistrement, qu'il faut éviter les mesures populistes de taxation à 30% le troisième bien, au risque de voir certains patrimoines se transformer en sociétés immobilières et priver la région demain et les communes de nombreuses recettes comme les additionnelles. Ensuite, dans ce budget, on répond à la crise du logement. Les 20 dernières années, la réponse politique s'est limitée à produire des logements publics et sociaux et soutenir la socialisation du parc privé via les AIS. Force est de constater que cette stratégie n'a pas permis de répondre suffisamment à la crise. Et je voudrais vous dire combien nous sommes fiers de l'accroissement significatif des moyens budgétaires consacrés à la politique du logement et de la diversification des outils visant à apporter une réponse aux personnes qui peinent à se loger sur le marché privé, parmi lesquelles 128 000 personnes se trouvent aujourd'hui en liste d'attente d'un logement social. La politique volontariste en termes d'accroissement du nombre de logements publics en 2021, notamment grâce à sa stratégie acquisition-rénovation qui sera lancée en janvier 2021, on parle quand même de 20 millions d'euros pour le plan d'urgence logement, mais aussi grâce à la relance d'appels de projets PPP, ça vous fera quand même plaisir, partenariat public-privé pour certains, ou à une concertation active avec les communes tenant compte de leurs spécificités, contrat logement, notamment un contrat par commune, avec un comité d'accompagnement comportant des acteurs communaux et régionaux. D'autres membres de la majorité y ont fait allusion. Nous sommes fiers aussi du rehaussement du montant de la subvention accordée aux AIS. Les AIS sont un outil efficace qui permet aujourd'hui de concilier les demandes de locataires peinant à se loger au prix du marché et les intérêts des propriétaires bailleurs qui l'acceptent, tout en favorisant la rénovation du bâti bruxellois. Et s'agissant d'un outil performant, les AIS connaissent une croissance exponentielle et il faut pouvoir y répondre. Nous avons pris acte de la volonté du gouvernement d'éviter tout emballement sur cette croissance et de fixer les balises visant à protéger les locataires, en particulier dans le cadre de la prise en gestion des grands ensembles. Il s'agira évidemment toutefois de continuer à assurer un déploiement sécurisé des AIS, mais aussi de rassurer tout le secteur. Et nous sommes très fiers en matière de logement, de la lutte contre l'insalubrité et les marchands de sommeil par le renforcement des équipes de la DIRL, la Direction du logement. Le vote récent de l'ordonnance adresse du ministre Bernard Cafaillé va permettre de faciliter aussi le repérage des logements insalubres. Il s'agit d'une priorité pour notre formation politique qui est résolument favorable à l'instauration d'un permis de louer. Bien que non traduit encore dans le budget, mais bien dans sa lettre d'orientation et dans les réponses de Pascal Smets et Mme Nawal en commission, l'amélioration et le déploiement de l'allocation loyer avec une nouvelle définition du public cible et des critères d'attribution ainsi qu'un accroissement du nombre de bénéficiaires potentiels dès mi-2021 est essentiel. Cela fait 15 ans que nous le réclamons, que nous réclamions d'ailleurs ensemble pour certains partis de l'opposition. Je regrette qu'à travers toutes les interventions aujourd'hui, il n'y ait pas eu un mot, pas un, sur cette considération pour la réalisation de cet objectif, parce qu'il n'est pas juste pour nous de n'offrir un logement social qu'à certains et de demander aux autres tout simplement d'attendre. Troisième point qui nous tient très à cœur, c'est la réponse à la crise sociale par l'emploi.
qui voit tant de Bruxellois aujourd'hui rester en recherche justement d'emploi dans une des régions les plus riches d'Europe, qui offre plus de 730 000 emplois, mais qui n'en offre que la moitié à ses habitants et qui laisse 90 000 chercheurs d'emploi sur le carreau. Nos mesures profitent à l'ensemble du pays. Bruxelles nourrit tout le Brabant wallon, tout le Brabant flamand, jusqu'à Gand, Anvers, Liège, Charleroi. Bruxelles, c'est le moteur du pays. Plus vite Bruxelles sera relancée, plus vite le pays se relèvera. Bruxelles est la chance de notre pays. Bruxelles est la chance de la Flandre et de la Wallonie. Je veux qu'on arrête d'opposer nos trois régions. La solution réside dans la formation et des soutiens aux chercheurs d'emploi, Prime Activa, Prime Phoenix. Le plan emploi-formation répond à tous ces objectifs. On n'a jamais autant fait pour l'emploi et la formation. Je ne vous ferai pas l'injure de répéter l'ensemble des millions d'euros qui sont consacrés à cette matière. On y a fait allusion longuement en commission. Et vous pourrez lire le rapport qui, par ailleurs, était très bien fait. Ce gouvernement bruxellois soutient le pouvoir d'achat des Bruxellois, mais aussi des travailleurs bruxellois, qu'ils soient d'ailleurs habitants ou non de notre région. On se doit de féliciter notre gouvernement pour son soutien aux agents communs.